oui, en effet. Bonjour. La nouvelle de la prospérité de notre colonie s'est répandue. Va jeter un coup d'œil. Tu risques de voir de nouveaux visages. Nous sommes alliés aux Danois du Grand Breacher. Leur Jarl Skona, Soma, a prêté serment. Bien joué, Eivor. Ces premières réussites vont nous être bénéfiques. Oui, et de plus d'une manière. Birna, l'une des meilleures guerrières de Soma, nous a offert sa lame. C'est une combattante redoutable, et une femme agréable. Elle se sentira vite chez elle ici. Ravie de sa venue alors. Beau travail. À une époque, vois-tu, le titre de Jarl était réservé au second du roi, mais cet usage s'est élargi. De nos jours, un Jarl peut être un chef, un dirigeant ou un homme riche ou influent. Le monde est si vaste désormais, divisé en fragments. De toute évidence, le langage lui-même a dû s'y adapter. Une idée intéressante. Chez Holbert, ton père t'a envoyé ici pour apprendre, pas pour enseigner. Alors, à ton tour, Eivor, fais-nous par exemple un résumé de nos gains récents. Le clan a soif de connaissances. Tu veux que je fasse un discours? Bien. Il est monté sur la table. J'imaginais plus. Mes amis, tendez l'oreille et écoutez un récit de triomphe et de labeur. J'ai beaucoup voyagé depuis notre arrivée et vu beaucoup sur les routes de cette Angleterre nouvelle. Au fil de mes voyages, nous avons noué de solides alliances. L'honorable Ceolwulf, roi de Mercie, nous traite comme ses amis. Et au sud, la Jarl Skona Soma et les Danois de Grand Bridge nous ont prêté serment. Grâce aux efforts de Sigurd et aux miens, nous avons renforcé les liens... Tu te présentes comme l'égal de Sigurd dans ton récit. Sigurd ferait-il de même s'il était là? Oh, vas-y, fais que... Sigurd connaît ma valeur, et il en chanterait autant les louanges que moi. Mais cela n'ôte rien à vos mérites à tous. Car je suis ici, chez les guerriers les plus forts, et les plus résolus que je connaisse. Ainsi donc je lève ma corne, d'abord à Sigurd, puisse-t-il nous revenir bientôt. Et au clan du Grand Corbeau, peuplé d'amis et de guerriers. À Sigurd! À Sigurd! Qu'il revienne nous libérer de toi. Mais c'est quoi ce problème? Et régalez-vous tous de bière autant que Dag l'a déjà fait. Skål! C'est quoi son problème? Tu me crois ivre, Eivor? Que je frapperais moins fort si je l'étais? Tes mots sont assez tranchants, va. Mais cela explique ton audace. Crois-moi, j'y vois très clair. Et j'ai devant moi quelqu'un qui cherche à s'approprier une part de la gloire de Sigurd. Et franchement, j'ai charbonné. Il y a assez de gloire dans le monde pour tous ceux qui sont à sa recherche. Et je n'ai aucun doute quant à ce qu'on me doit. Voilà comme je pensais. Tu... On nous attaque depuis le fleuve. On dirait des Danois. Des Danois? Combien? Beaucoup trop. Venez, le combat a déjà commencé. Les chiens! Que peuvent nous vouloir des Danois? Aux armes, tous ceux qui peuvent combattre! Les autres, restez ici! Oh. Tue-le, t'inquiète, on le tuera plus tard, j'imagine. Avec moi! Oh, c'est traître ça. Toi, tu t'arrives, imagine, t'es un peu low, tu viens de faire des combats à 7 ans d'axe, tu viens de dire, bah c'est bon, voilà, fin de la mission, tu t'attends pas à ce que ça enchaîne directement, t'as plus de vie et tu meurs au fight qui. Mais bon, heureusement, on gagne pas mal nos bagarres sans perdre de vie, les gars, en ce moment. C'est vrai qu'on a un peu level up, ouais, ouais, et puis bah, on est dans les FC de l'acheter avec l'arc. Vous trouverez ici que la mort! Il se passe quoi? Est-ce que ça réveille ton appétit pour le combat, Rafi? Il se passe quoi là? Il se passe quoi? C'est pas parti la bordel de merde. Ah.
attaqué par qui là? C'est quoi ton problème? Oh non, mais notre vie. Putain, mais vous savez combien ça coûte de tout ça là? Putain, mais c'est des Danois plus des. Where is the traître? Y'a un traître, y'a un truc là. Tuez tous ceux que vous trouverez! Mon clan est aussi faible qu'on le dit! Nous allons l'anéantir! Tu n'as encore rien vu de notre force! On attaque jamais? Ils cachent leur richesse dans la maison longue! Abattez les murs! Ouais, il attaque jamais. Tu attaques mon pote. Qui vous a envoyé crever ici? N'espérez pas repartir en vie. Pourquoi il attaque jamais? Ça avait l'air d'être un boss, mais. Oh. Tu feras attention, il y avait. Ouais. Ouais. J'attends pour le loot. Pour le... Allez, loot-toi là. Il n'en reste que quelques-uns. Repoussez-les. Ah non, il n'y a pas de loot. Il n'y en a plus. Rien sur les eaux. Si d'autres comptaient venir, ils sont vite repartis. D'après leur couleur et leur bannière, ils provenaient du Gateland. Mais comme il n'en reste pas un seul en vie, nous ne saurons jamais pourquoi. J'en ai un, moi. Cette vermine rampait vers le fleuve, en espérant fuir dans l'eau. Aie pitié, s'il te plaît. Et tu trouveras peut-être en nous des alliés. La pitié viendra si tu fais bon usage de ta langue. D'où est-ce que vous venez? Pourquoi nous avoir attaqués? Nous sommes installés depuis peu en Est-Anglie. Et nous avons besoin d'argent. Vous n'êtes pas au bon endroit. C'est la Mercy ici. Nous avions des ordres. De qui? J'en ai assez dit. Chien inutile, à te gratter le train pour une pièce d'argent. Allez, dépêche-toi de le tuer. Ton silence ne te vaudra aucune clémence. Alors pour la dernière fois, qui vous a envoyé? Le vent nous a envoyés. Et les rivières nous ramèneront. Il cherche la mort, Eivor. Donne-la-lui. Ou renvoie-le chez lui avec un message. Qu'ils disent aux siens ce qui les attend s'ils reviennent un jour par ici. Bon, j'ai envie de le kill. Hein. Sorry. Que quelqu'un te pleure chez toi. C'est bon, il m'a car craché ici, dessus. Personne ne le fera. Je vais me cracher dessus et on se laisse là-bas. J'aurais pu envoyer des éclaireurs à sa suite. Nous aurions pu apprendre quelque chose. On bat les couilles. Un tel manque de respect méritait la mort, Ranvi. C'est ce que Sigurd aurait fait. Je ne peux pas établir de stratégie si on ignore mes conseils. Le laisser en vie aurait gueulé au monde entier que nous sommes des mous et des lâches. Ces Danois savent maintenant. Lui qui le tue pour le faire taire. Pardonne-moi, ah, parce que tu penses que Dag est un traître. Mais Dag a raison. Pour une fois, tu as vu clair. Je prie les dieux que cela continue. Après, j'avoue que normalement, vu qu'il tu pars en embrouille avec lui au début, c'est lui qui dit tuer en général, tu le fais pas, ensuite, tu vois. Ensuite, parlons des prochaines actions. Je sais pas, il a craché gros, il s'est trop pris pour. Hein. T'aurais pas dû. Je sais pas. Ah, désolé. Mais... Désolé, on fait des choix. Il m'a craché dessus. Voilà. Du coup, tu suis le conseil de celui qui voulait vraiment, vraiment le faire taire. Je suis pas son conseil. Je m'en fous de ce qu'il disait. Il m'a craché dessus, t'entends? Oui, en effet. Je les ai posés là-bas, afin qu'ils ne te gênent pas quand tu ne t'en sers pas. Un conte plein d'inspiration qui en... Elle est gentille.
quand on est parti tuer le, rappelez-vous, le gros géant. Un conte plein d'inspiration qui enjolive beaucoup cette terrible journée. Au moins, elle a changé mon nom. Et elle y a glissé un dragon. Il y a toujours un dragon. Bon, lui, je l'ai jamais trop aimé, mais admettons. Attends, mais c'est un crack. Lui, il se prend pas au... Oula, ça, ça sent 5, c'est ça, les amis. C'est quoi ce délire? Pourquoi je vois pas ces points faibles? Ok. Ah, ça va être dur. Ça. Oh, ça va tirer, non. Faut au moins que j'enlève un point faible. Ça, c'est un style différent, ça. Faut pas que je la vise. Là, moment, je change. En fait, à chaque fois, je me fais mal timer. Et je brûle en plus. Ah, en fait, je vais trop vite pour la contrer. Oh, je reconnais ça. Je peux la battre après, je pense que je vais perdre ce fight là, mais. Y'a pas d'huile là? Comment je fais pour son dernier point faible? Ça va être dur. Oh non. C'est pas le moment. Putain, les six regarde. Oh oui. Vas-y. Merci petit loup. À toi, petit loup. Alors putain, petit loup de mort! Vite! Il faut tuer ce serpent! Putain. En bien à cause de. Faut de la bouffe, souris. Vas-y, c'est bon, on va faire MacGyver. T'inquiète, t'inquiète, suis-moi, t'inquiète. Le combat n'est pas terminé. J'ai juste besoin de me rassasier. Non. Okay. Ok. Ok, enfin, putain, tout à l'heure je tire dessus. Bon, maintenant c'est la belle. Oh putain. En fait, c'est son combo que je galère à.
Faut d'huile. Je vais pas la vider. Bambi. Suis-moi. Je vais prendre l'huile. Petit lapin, allez, petit lapin. Merde, attends, faut pas que je la sème parce que sinon. Sinon, après le fight se reset. T'inquiète, viens, t'inquiète. Attends, si elle est level 90, elle, je comprends pas. Hein. Elle est trop bien. Non. Allez, les loups. Non, mais c'est moi là, l'ami des loups et. Comment je fais là? Je dois. Est-ce qu'il... Ah oui. Tu les loups. Ah mais je peux même pas les esquiver. Ah oh, c'est trop. Les gars là. Ah, putain. What the fuck. Putain, il y a le buisson de ville plus le loup. C'est l'ami des loups, c'est moi là, je comprends plus là. C'est bon, je peux même pas l'esquiver. Merci, enfin. Oh, genre ça me touche. Alors, tu aimes le chaos? Allez, boum. Puis je vais esquiver les mines. Ah mon dieu. Bon, faut que je tue les deux loups. Ceux qui me donneront d'huile. T'es à l'affût, les salopes. La splendide folie du combat. Allez, viens. Un
Bon, ok, il n'y a plus de loup maintenant. Mon dieu. Ouais, franchement les gars, c'était... Eh, franchement, les loups là, ça a pas... T'es en très difficile, oui. Ta mort est là, lâche. Non, mon épée est perdue, au creux d'un ruisseau. Je vais la suivre, pour danser de nouveau. Ou me noyer. J'ai pas vu son level. Je pense que ça doit être 90, sinon il m'aurait... Ouais. On va démarrer la mission, puis après on regardera tous les trucs aux alentours. L'histoire en Asgard, c'est via les quêtes. Car quand je suis pas là-bas, j'ai l'impression de rien pouvoir faire niveau histoire. Ah ouais ? Bah les alliances et tout, non ? Sauf si c'est Alfdan qui t'envoie. Faisons comme si Alfdan m'avait envoyé. Imaginons ensuite que tu sois Finn, son intendant pour les Stangli. Admettons. Alors dis-moi, comment espères-tu trouver un roi pour cette contrée si tu ne t'actives pas plus que ça ? Mais je l'ai déjà trouvé, et dès qu'il sera marié, nous lui clouerons les fesses sur ce trône. Qui est cet homme ? Tu sais, étranger, tu as interrompu un très beau rêve. Je naviguais dans le Helheim, à bord d'un navire de feu. Et tu sais que les rêves de mort précèdent de peu la réalité ? Oh ! Cela ne ferait qu'alléger mes épaules d'un fardeau. Mais pourquoi t'intéresses-tu à un petit roi-clé ? Parce que des Danois d'ici ont attaqué mon clan. Je veux savoir pourquoi, et comment m'assurer que cela ne se reproduise plus. Ah, c'est sûrement le clan de Roued. Il a tué le dernier homme que j'avais placé ici, Ethelstan. J'imagine que cela recommencera avec le prochain roi. Un Danois incapable de tenir les siens. On ne peut pas dire que tu sois un très bon intendant. Si je savais comment, je l'aurais chassé depuis longtemps. Le clan de Roued est une plaie pour tous. Danois comme Saxons. Tu es le plus mauvais soldat que j'ai rencontré dans ce pays. Botte les fesses de ton roi, et bats-toi. C'est bien lui le souci. Il n'a aucune des qualités requises pour gagner. Ni courage, ni armée, ni prestance. S'il tient à durer... Les runes, tu les mets au hasard ou tu choisis un minimum ? Non, je choisis. Il aura besoin de l'appui de sa belle famille. Ah non, les runes, t'es obligé de choisir. Ce qui, entre nous, ne risque pas d'arriver, il déteste cette... Faut pas avancer bêtement, il y a des stats que tu utilises très peu dans ton style de jeu et que tu utilises plus. Oh, Oswald Delmenham.
Il était le conseiller du roi Edmund avant les invasions. Et que cela te plaise ou non, c'est le dernier noble saxon ayant un peu de valeur. Mais pourquoi ne pas couronner un Danois ? Le Jarl Halfdan a été clair. Il veut un roi saxon marié à une Danoise, pour donner une impression d'unité. Mais Oswald n'est pas le genre d'homme qu'on suit au combat le sourire aux lèvres. Il est mou. Les colons danois ne lui font pas confiance. Où est-il en ce moment ? J'aimerais m'en faire une idée, imaginer un plan. Ah, tu l'as manqué de peu. Il vient de partir vers Helmenham pour réclamer de nouveau la paix. Tu pourras peut-être le rattraper en suivant la route au-delà des portes nord. Ok. Bah, j'espère que c'est pas aussi long que les frères et tout. Parce que là, je sens que ça va. Les alliances au fur et à mesure, ça va être relou. On n'a pas besoin d'eux en plus. Attends, on va faire ça comme ça on pourra se TP. Les 4-5 secondaires un peu plus tard. Les alliances sont toujours très longues, ah ouais? Quand tu fais les alliances, c'est parce quoi? T'as conquis l'Angleterre, non? Là, je sais pas. Faire de l'horloge, arrêtez avec l'horloge les gars, vous êtes trop accro à ça. Si on commence l'horloge, après on peut ne pas s'arrêter. Il va faire une autre et on va recliquer sur oui à chaque fois. Non, non les gars, calme. Là, il me force à faire de l'horloge pour qu'on avance pas dans le jeu, c'est bon, arrêtez les gars, on avance. Ok. Hello Aki, tu fais la gueule? Ah. Bien. Bon, je jette tous les points à part celui-là. Vas-y, on est parti. La ville, il avance pas, putain. Oh, à qui, bordel? Allez, cross, on s'en bat les couilles à qui. Oh, il avance tellement pas en ville. Ils se sont rués comme des loups, tuant et brûlant sur leur passage. Ce n'était pas... J'ai bâti ma maison ici. Nous aussi, le clan de Rouet nous a attaqués. Oh, tu as de la chance de pouvoir parler d'une maison. La mienne a été rasée par les flammes il y a des années. Et par qui? Je vous en prie, écoutez-moi. Que l'on soit danois ou saxon, nous voulons tous la paix. Avec des terres à cultiver, une maison, sans craindre les méfaits de Rouet. Jusqu'à ce qu'ils recommencent leurs attaques. Allons. Ils vivent ici, maintenant, comme nous. Notre avenir se bâtit ensemble, pas dos à dos. Mais c'est Danois qui nous attaque. Qu'est-ce que tu comptes faire? Lorsque je serai roi... Lorsque je serai roi, j'arrangerai tout cela. Tu seras roi quand moi je serai un troll volant. Tu t'en es bien sorti. Ok, j'aurais dû lui dire. Les différends entre saxons et danois ne se règlent pas toujours aussi bien. Ah, tu penses que c'était bien? C'est vraiment pris la tête. Dispute qui ne s'achève pas dans le sang. Soit on lui dit que t'es bien, soit t'as pas été assez ferme. C'est là une triste vérité. Je suis Eivor du clan du Grand Corbeau. Es-tu Oswald? Je le suis. Tu n'es pas là pour me tuer, n'est-ce pas? Je n'ai pas coutume de tuer les rois. Mais j'aime bien en rencontrer. Alors mon nom est Oswald.
tant que je serai en vie. Qu'est-ce qui s'est passé ici, Oswald ? Un clan mené par un dénommé Roued a attaqué ce matin. Cela fait un moment qu'il pille des fermes et des hameaux d'Est Anglie, et il se montre toujours plus impudent. Il sait que ces terres sont celles de Halfdan ? Sûrement, oui, mais il s'en moque. La fureur de ces hommes nous a frappés, nous aussi. Et je suis là pour faire en sorte qu'il ne recommence pas. J'ai récemment appris que tu incarnais tous les espoirs de cette contrée. Devenu roi, tu pourrais unir les Saxons et les Danois pacifiques. Un fardeau bien léger, n'est-ce pas ? Que seul un roi est capable de porter. Accompagne-moi, Eivor. Nous discuterons de mon avenir sur le chemin du retour. Qu'est-ce qui requiert ton attention à Elmenham ? Mon mariage. La fièvre règne à Elmenham en prévision de mon union avec Valdis, une Danoise, et cousine de Halfdan. Bonne nouvelle. Un bon mariage forge les alliances solides. Quel est le problème, alors ? Le problème ? Je n'ai pas reçu autorisation d'épouser Valdis. Ses frères ont une piètre opinion de moi. Vous voulez que je prenne un cheval, on est où ? T'as vu qui je suis ou pas ? Si t'as prendre Valhalla ou pas, c'est plus comme les anciens Creed. J'en sais rien, j'ai pas joué au dernier. Quelque chose ne me dit rien qui vaille. Attends, il y a de la fumée devant nous. C'est Beatley. Peut-être les mêmes hommes qui ont attaqué. L'accès à cet endroit est interdit. Hey, viens nulle part, les voyous à l'air. Cette charogne va crever. Allez, va, on l'air un peu plus fort que. Aucun seigneur ne peut plus te sauver. Mais ça lance pas automatiquement au bon endroit. Coucou. C'est vrai que la trame assassin elle est. La trame assassin elle est plus. Elle est vraiment secondaire quoi. Parce que là on a les missions de l'ordre, donc j'espère que plus tard, après ces missions de l'ordre, il y aura un truc à faire, tu vois. Mais j'avoue que c'est léger quoi. Après, moi je sais pas, moi j'aime bien ce côté où tu peux choisir. Là tu vois, j'aurais pu y aller en full assassin en mode. Oh non. J'aurais pu y aller en full assassin en mode tranquillou, etc. Mais là j'ai pas voulu perdre de temps donc on y va en mode bourrin. Le clan de Roued, personne n'a survécu. Que Dieu accueille leurs âmes. On m'attend chez moi. C'est peine perdue, mais je dois tenter une fois de plus d'impressionner la famille de ma promise. Montre-toi plus ferme que tu ne l'es maintenant, et ils en viendront à t'apprécier. Oui, pardon, je suis perturbé. Si tu te joignais à nous pour dîner, cela les adoucirait peut-être, songe-y. Mes portes te sont ouvertes. Avec le passé ou pas, MDR soit un assassin, soit tu l'es pas, là t'es juste un viking ou donc abuse pas. Mais c'est parce que c'est moi qui choisis de jouer comme ça. Mais tu peux jouer en assassin. À part le délire des raids, tu peux jouer tout en mode assassin si tu veux jouer en assassin. Mais oui, c'est vrai qu'il y a moins de délire en mode assassiner un tel sans vous faire voir ou quoi, tu vois. Et hop, échec de la mission si tu te fais voir, tu vois. Je serais ravi de me joindre à vous. Dis-moi où et quand. Magnifique. Passe nous voir à Elmenham quand tu le pourras. C'est encore pire que ce que je craignais. Et les flèches. Qu'est-ce qui t'arrive à qui ? Je sais pas, après, bah ouais, comme
comme on a dit l'autre fois, on avait déjà un peu parlé. Ce bourg c'est le 11e ou 12e Assassin's Creed, tu vois. Cet Oswald a su se débrouiller. Donc au bout d'un moment, tu vois, si tu veux continuer l'histoire, etc., bah, c'est plutôt dur. Et je trouve que moi, pour le coup, ils ont plutôt bien réussi. Après, j'ai pas fait les derniers, tu vois, donc je sais pas comment c'était. J'ai fait les premiers, etc., mais... Non, en tout cas, tu vois, moi, actuellement, qui n'ai pas fait les derniers, etc., je kiffe mon expérience, tu vois. Un Danois, seul. Incroyable. Chut, sois poli, comme l'ordonne le Christ. Bonjour. Seigneur et dame, c'est un jour de paix et de fraternité. C'est pas qu'il nous ait porté directement, il a parlé juste avec du chat. Ouais, mais même, j'aime bien rentrer dans ce débat. Finr, notre intendant, nos invités d'honneur, Brotir et Brodeur, et ma ravissante promise, Valdis. Tu laboureras peut-être notre sœur puisqu'Alfdan l'ordonne, mais tu ne nous entraîneras pas dans ton lit. Brodeur, ce n'est pas... Le dernier roi saxon de mémoire était bien plus viril que toi, et nous avons perdu 150 hommes pour protéger son cul d'estivaux. Retire. Si vous tenez un tel discours, je vous prie de partir. Je ne me laisserai pas insulter sous mon toit. C'est pour cela que tu es là? Pour soutenir ce saigne qui pue le crottin de bouc et de brebis? Pardon, tu as dit quelque chose? Je t'ennuie, ami des loups. Je suis là pour protéger mon clan. Si cela suppose d'aider ton roi à s'emparer du trône, qu'il en soit ainsi. Autant couronner le trône lui-même. Il est fait de moins de bois que celui-ci. Nous serions plus au calme si vous aviez les bourses de vous occuper du clan de Roued. Mais apparemment, l'un comme l'autre, vous avez les bourses vides. Tu as la langue bien pendue, ami des loups, au risque de te la faire arracher. Si de simples mots suffisent à te blesser, imagine ce que ma hache pourrait faire à ton caractère indolent. Ton caractère quoi? Attends, j'aime bien ça, ça répartit. Ça nous représente indolent. Totalement, j'adore. Ça suffit! Oh merde, par contre, on n'a pas d'armes. De faible, de quoi, de mollasson. Ah, c'est trop dur. Ce n'est pas ainsi que je deviendrai reine. On ne règle pas les différends comme ça en instant. Mes frères, arrêtez. Vous vous offrez à moi. Calmez-vous. C'est ça, tous. On s'est assez amusés pour ce soir. Si c'est tout ce que vous valez, ce n'est pas étonnant que l'Estanglie soit dans cet état. Tu es faible, berger. Ton ami du Nord n'y changera rien. Nous nous porterons mieux sans roi. Voilà, mon sort est réglé. Je crois que je préfère un rêve insensé à ces bagarres d'ivrognes. Quelle perte de temps et de bonne hydromel! Ses frères n'appuieront jamais mes prétentions. La danse ne fait que commencer, Oswald. Va te reposer, tu auras besoin de force. Seras-tu là, demain?
Nous avons beaucoup à discuter, je crois. Je vais me trouver un endroit où dormir. Et, Eivor, si tu peux m'aider à arranger cela, tu disposeras d'une alliance solide avec l'Est Anglie. Ça, je peux te l'assurer. Ok. Oswald a l'air d'être parti pour la journée, mais il faut que je lui parle. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait les trucs d'ici, là, quand même? Oh, ça, c'est loin. Oh, on ira le tuer après, lui. Je pense après, tu vois, genre quand on sera peut-être là, tu vois, on arrive au level 110, au level 120, je pense qu'on va faire tous les raids, on va même essayer peut-être les 150. Enfin, les 100, je les 250. De prudence par ici. Flemme. Flemme. Non. Le repas refait. J'ai pas compris la compétence que j'ai là, tu sais quand je peux tirer une flèche rapidement là. Bon. Chasse collectée, l'or. Ok. Tu t'es venu pour ça? Pas trop de flèches. Oh, les pions, man. Il est mort dans son feu. Vas-y, on enchaîne, on perd pas de temps. C'est la malédiction encore? Pas de temps les gars, on accélère. Est-ce qu'on va faire ça? Vas-y, on va faire ça. Après le truc bleu sur le chemin, ouais. Parce que j'avoue que ça m'a un peu démotivé là, le fait qu'on gagne pas 5 XP à... Si on finit la région, tu vois, j'avoue que... Ah bah c'est ça. Attends, c'est quoi qu'il faut donner hein? Ah. Que faut-il donner? 200 thunes quand même. Quelqu'un m'a dérobé des pièces. Des traces de pas vertes. Peut-être un enfant. Qu'est-ce que c'est? Il se passe quelque chose d'étrange dans ces bois. Redonne-moi ma thune, toi, par contre, petit gars. C'est quoi ça? Ah.
T'as des bons cartes du corps. Des bons cartes du corps, je sais pas à quoi ils jouent. De près ou de loin, tu vas mourir. Il a des bons gardes du corps, le mec là. Non, ils sont gigalants, c'est bien ça. Oh, ça va, les petites exécutions là. Vous lootez, vous? Non? Si, il y a des petits loots là. Où la cible? À tracer? Pardon. Le petit. Salut mon gars. Bon, par contre, ils sont venus au mauvais moment, là. Dis au dieu que tu verras que c'est Eivor qui t'envoie. Je me suis fait carotte 200 balles par un môme, là. Ils s'en arrivent à ce moment-là. On nous a découvert. Oh, lourd. Oh, fuyons. Viens jouer avec nous. Viens sur la terre de Saint-Martin. Elle est plongée dans un crépuscule éternel. Vous vivez ici? Où sont vos parents? Des questions, des questions. Ça peut attendre. On grimpe d'abord. Mm-hmm. Alors, par contre, vous allez me redonner ma thune. Bienvenue sur la terre de Saint-Martin, voyageur épuisé. Svawat, kem rá for trjám eða það landvættum að kenna? En að búri sleitir og salti, hvað var hann áttam? Je crois qu'on l'a semé, ma sœur. Vous avez les pieds et les mains agiles, les enfants. Mais vous manquez de discrétion. Oh, on y était presque. On va te donner ce qu'on a pris, voyageur. Mais avant, tu dois entendre notre histoire. Il y a très très longtemps, dans une contrée lointaine, il y avait une sœur. Et un frère. J'allais le dire. Mais oui, et un frère. Ils vivaient heureux, seuls, sur la terre de Saint-Martin. Et ils mangeaient des haricots. Des tas de haricots. Et des gâteaux. Mais la vie est devenue dure. Il n'y a plus de haricots, ni de gâteaux. Et nous devons voler pour vivre. Nous ne sommes pas mauvais, nous avons faim, voilà tout. Désolé, grand marcheur. Il n'y a pas de honte à survivre. Et il faut faire ce qu'il faut pour aider sa famille. Tu es sage, grand marcheur. Regardez avec sa tête. Est-ce que avec cette tête-là, t'es prêt à dire « Prenez soin de vous, les enfants, et de casser ». Allez. Tenez, prenez mon argent. Vous alliez le faire de toute manière. Achetez ce qu'il vous faut, et ne volez que si c'est nécessaire. Merci. Mais je ne crois pas qu'on le mérite. Vous ne méritez ah, pas. Ah, j'avais pas la ref avec. Faites bon usage de cet argent. J'avais pas la ref. Tiens, grand marcheur. Un collier? Oui, c'est un sceau de Saint-Martin. Tu peux venir quand tu veux, grand marcheur. Tu es l'un d'entre nous maintenant. Viens nous voir, d'accord? Entendu. Prenez soin de vous, petit marcheur vert. Ok. Oh.
Il y a beaucoup de refs quand même, ça s'inscrit en vrai. Il y a beaucoup beaucoup de... Mais attends, mais du coup, pause. Du coup, ma mission elle est finie ici. Bon, je vais quand même aller faire le point de synchro, mais... Ah, ils sont arrivés à moi par inadvertance. Tellement de refs à tellement de trucs connus en cet opus, c'est ouf. Ouais, de ouf. Mais j'avoue que le petit... Le haricot, j'avais pas. Mais ouais, ça me semble logique maintenant. Ça fait trop longtemps que j'ai vu. Oh putain, j'ai pas d'arc. Bon, prudence avant tout. Ouah, trop dur de se la faire en mode... Oh, franchement, flemme, hein. Salut. Franchement, les gars. Tiens, pense à toi qui n'a pas de flèche, c'est lourd. Le truc, ce que je préfère, c'est les codex. Ah, oh bah, les codex, j'en ai eu. J'en ai aucun, moi. Bon, dites-moi que c'est une bonne compétence. Hein. Nouvelle aptitude. Rouée aveuglante. Rouée aveuglante. Le nom sonne bien. Maintenant, faut que je monte tout en haut en fait. Mon hypothèse, c'est que quelqu'un n'était pas satisfait du jeu et a donc fait ce canular. Quel canular? We are on top, guys. Ah. Après, il va y avoir tellement de trucs à aller chercher partout là. Oh, aïe aïe. C'est tellement vaste. Côté là vraiment. Ok. Bon, en vrai, je suis assez proche de là. Bah, allons-y, hein. On va passer notre vie à courir après Oswald là. Il est relou. En vrai, les quêtes principales font aussi bien dans le level up, hein. C'est combien de temps qu'on joue, les gars? Ah, quoique, ça fait quand même un petit moment. Depuis qu'il est 1h du mat au moins, parce qu'on a joué à Code, on a joué à Hearthstone 2h. Code, on a dû jouer au moins une bonne heure. Donc ouais, ça doit faire 6h déjà qu'on est sur Assassin's Creed. On était level 88, là on est 109. Ouais. Donc 20 levels en 6h dans ce quand même lent. Enfin, c'est lent. Ouais, non. Ah, oh, si, quand même, 20 levels en 6 heures, ça va, c'est ok, je pense, c'est la moyenne. T'as passé les 20%? Ouais. C'est pour ça que les jeux sur console coûtent vraiment cher. Je sais pas, moi je suis né dans une époque où les jeux, quand t'achetais sur ta PS3, Xbox 360, en gros, c'est coûté 70€ quoi.
T'avais des réducts en location, sur le promenade, tout ça, mais genre, il n'y avait pas ce délire de service online où tu pouvais avoir les jeux. Des clés de jeu. Qu'est-ce que je veux dire? Je sais pas, mais maintenant, il y a tellement ce délire de free to play, etc., que ça choque un peu les gens et qu'il faut payer un petit peu. Je sais pas, moi, ça me choque pas. Les prix du marché. Même que c'est moins cher qu'à l'époque. Après par contre ouais, maintenant il y a un game où les jeux sont payants et en plus de ça t'as plein de contenus qui sont payants aussi derrière, tu vois. C'est vrai que... Salut mec, je regarde juste si on peut cheat. Sait-on jamais. Approche, viens voir mes marchandises. Oh, on peut cheat. On ne sait jamais quand on peut en avoir besoin. Maintenant, le PC coûte plus cher qu'une PS4 ou une Xbox. Bah, ça a toujours été comme ça. Ah, tu parles des jeux ? Quand tu parles du PC, c'est toujours été comme ça. Je trouve pas ça le pire, c'est les free to play dans lequel tu as du contenu payant pour rentabiliser le jeu. Ouais, les gachas, c'est les pires. Ceci pourrait être très utile. Mais en vrai, je sais pas. Moi, je préférais les jeux qui étaient payants. Il n'y avait pas forcément de DLC. Ou quand il y avait du DLC en plus, c'était gratuit pour la plupart du temps. Et là, le truc, c'est que bah, quand tu regardes, t'achètes un Pokémon, t'as du DLC qui est cool, mais qui est en plus encore plus payant. Enfin, c'est que des trucs comme ça, tu vois. Donc, je sais pas trop quoi penser à ce niveau-là. En vrai, on est obligé de. Tu sais, c'est un mix jeu payant, free to play. Je sais pas. Et là, les jeux auxquels je joue en ce moment, les free to play tels que. Bah, tu regardes Hearthstone, hein. Tu regardes Hearthstone, je me suis connecté à Hearthstone pour l'OP. Au revoir. Bah. Si je veux jouer compétitivement à un bon niveau, moi je suis obligé de remettre ma stune en fait pour attraper le retard de un an où j'ai pas joué. Bonjour. Tu es un C'est cool de faire la raid, mais moi je joue un truc compétitif et je veux être top légende et. Tu travailles peut-être comme un possédé. Mais le jeu est free to play, tu vois. Parce qu'en fait, si je veux actuellement être top légende, je peux pas te faire un free to play quoi. Je prends plaisir aux tâches simples. Mais ce n'est pas le genre d'aveu qu'on attend d'un roi, j'imagine. Ouais, un jeu comme Hearthstone, tu peux pas revenir légende sans payer exactement. Ses frères t'ont insulté au dîner. Ton devoir est de réagir à ces injures. Ne laisse pas cette affaire s'envenimer. Je suis mis à Shadow Legends, notre joueur, faut pas. Ce n'était qu'une petite querelle avec des loups de basse-cour. Je m'inquiète davantage des meuglements d'une vache que de leurs insultes. J'ai un mariage à préparer et un royaume à sauver. Alors les paroles de crétins... Ils ont bafoué ton hospitalité, Oswald. D'où je viens, c'est une injure sérieuse. Eh bien, mais c'est le Saxon crotté qui met ma patience à l'épreuve. Oh, intendant Finr. Je sais, j'ai manqué d'allure au dîner hier soir. Mais ne crains rien, ces Danois changeront d'avis. Tu prétends devenir roi, chien sans cœur et sans dents. Si Alfdan était là, frappant table et les bancs, il crierait « Finr, mon drengre, assomme le bâtard !» Quelle voix il aboie, c'est Finr le noir. Mais ce chien est un chiot, et cet homme est un couard. Putain, mais franchement, moi, je suis un mec DRC, moi. Je n'ai rien compris. Une joute verbale, Oswald. On se sert du rythme et des rimes pour rabaisser quelqu'un. Essaie, tente une rime. Aucun homme ne te suit. Défire de tuer le niais. Tu ne penses qu'à manger, à t'en faire péter les brais. Pas mal, pas mal. Il n'a pas plus de cervelle qu'un sanglier. Montre à tout le monde qu'il est stupide. J'écraserai ton visage, ta carcasse au corbeau. Mais recrache l'hydromel. Il t'a... Ramolli le cerveau. Le cerveau ? Oui, le cerveau. Il est repoussant, alors s'il se vante, réplique en te moquant de son apparence. Je viens des confins du nord, je vais lui apprendre à clasher. L'hiver. Mais tu es moche et balourd, au point de... Faire peur à ta mère. Ah oui, c'est parfait ça. Faire peur à ta mère.
Il joue les braves, mais en réalité, c'est un gamin pleurnichard. Si jamais il se vante, attaque-toi à sa virilité. J'ai affronté l'océan, les mers, les bourrasques et les grains. Les vents que tu connais viennent de tes intestins. Viennent de ces... Tu parles de ces paix. Oswald, mon garçon, tu n'es rien sans ton corbeau. Qu'il n'aille pas sur le trône, pour cela, il n'est prêt. Continue, vas-y, parle de sa taille. C'est long quand même. Hein. Tu te prétends danois, mais ton sang est faussé. Un nain vil et sournois, ta mère a engrossé. Bien envoyé. Avant de faire teinter les épées et couler le sang, nous humilions nos ennemis par des mots bien sentis. Tu as un don pour les rimes, je dois le reconnaître. Mais une langue bien pendue ne peut rien contre une hache. Cela reste à voir, Finn. Je te défie un Holmgang. Tu n'es pas sérieux, Oswald. Un combat qui règle les litiges, non? Un Holmgang. Un combat à mort. Oui. Mieux vaut discuter, alors. Il est trop tard. Le défi a été lancé. Mais un combat contre Finn ne prouverait rien. C'est moi que tu affronteras. Attends, c'est... Mais maintenant que j'y pense... Mieux vaut qu'on ne me voie pas tuer un Saxon dans les rues d'Elmenham. Il y a un joli petit îlot en aval, près de Siege. L'eau aura vite fait de nettoyer le sang. Prépare le carré. Nous te retrouverons là-bas. J'espère que tu es prêt. Ma foi, je ne sais pas. Laisse-moi le temps de préparer mon esprit. Ne nous fais pas attendre longtemps. Ce serait indigne d'un roi. Mais le pauvre, je vais le tuer. Désolé pour les préjugés, mais c'est sûr qu'il est mort là. Allez, rejoins mon croc. Allez, je t'achète. Tu peux compter sur moi pour faire ta fierté et celle des dieux. Et... Viens avec moi et faisons de l'or et de la gloire notre quotidien. Ouais, quand on va faire des raids, on sera bien entouré là maintenant. On aura des bons soldats là, on pourra tranquillement être sur les toits, jouer avec les flèches pendant qu'ils tueront tout le monde. Hein? Ah putain, là tu fais comment là, à qui là? Je peux pas esclater ça, hop. Et là, à qui? Merde. Oh, pardon, j'avais pas vu. Un truc là. Attends. Pas bouger. Ah, qui bouge? Il peut mourir en nature ou pas? Non, il peut pas. Tu avais pas un cerf la dernière fois que je t'ai regardé sur le jeu? Ouais, bah c'est parce qu'on était à Asgard. T'as un cerf automatiquement. Un animal divin. Là, on est dans. On est redans. Non mais je confonds mes touches. Attends, j'ai envie de voir comment il s'en sort. Des fois c'est pour ça en fait. C'est... Ah. En fait faut pas regarder à qui est timide. C'était pas un cerf? Un renne. Non, ça va, c'est bon. Je
ne dois pas être vu par ici. Attends, mais y a un truc ici? Ah ouais, y a un truc. Ouais, ils sont faibles les mobs là. Non, c'est gênant, je vais monter, tu vas descendre. Ok. On prend. L'eau à qui? Ok. Il est où? Ok. C'est ça la petite île? Non, la petite île a été. Derrière là? Oh putain, c'est parti sur un débat, sur un élan, sur un cerf, sur un. Oh aïe aïe. Elles sont faibles, c'était des aptitudes. Te voici. Fais montre de prudence et tâche de ménager notre futur roi. Il est le dernier à pouvoir prétendre à la couronne. C'est prêt. Je vois que tu sais toujours préparer un carré. Je suis en Est-Anglie depuis de nombreux étés, mais je resterai toujours un Danois. Est-ce vraiment nécessaire, Eivor? Oswald, la force et le courage sont de grandes qualités. Il te faudra les deux pour que les Danois t'acceptent en tant que roi. La vraie force est celle de la résolution, Eivor. C'est une voix ferme qui est en nous. Je n'ai jamais entendu de boyau parler, mais une hache ferait taire dans l'instant cette voix intérieure. Tu dois t'y préparer. Attends, tu n'as pas d'armes. Ne t'inquiète pas, fais de ton mieux. Oh les bâtards. On va finir par faire de toi un roi. Ne retiens pas ton bras. Tu as dû le sentir, ça. Je suis toujours là. Et des Danois devraient suivre ce bon à rien. Je respire toujours, non? Montre-moi ce que tu sais faire, Saxon. Allez. Allez, montre ce que tu vaux. Tu veux que je me batte? Ah, c'est bien oui, de. Je vais le prouver! Allez, bats-toi! On en finit, Saïvor! Ça fait peine à voir! Si c'est un combat que tu cherches. Là! Oh le pauvre! Je laisse gagner, c'est quoi le. Non? Eivor a gagné! Mais tu nous as montré quelque chose, Oswald. Reste à terre, Oswald. Cela suffit. Je ne resterai pas au sol! Tu t'es battu avec courage. Sans grand talent, mais hardiment. Avec bravoure. Ne retiens jamais tes coups. Même si tu dois te salir les mains. Même si tu dois enfreindre les règles. Car il n'y a jamais de règles lorsqu'on relève un défi. C'est là et uniquement là que siège l'honneur. Pas dans la victoire, mais dans la survie. Les frères ne changeront pas d'avis pour un combat au bord de l'eau. Oswald devra agir. Redresser les torts. Affronter Roued et ses hommes.
Les pillards qui ont attaqué Bitly ont un campement sur la côte. Plus tôt nous les chasserons, mieux ce sera. Voilà un résultat qui te serait très bénéfique. Et si tu apportes aux frères des présents sous forme de butin, ils te seront redevables. Il est temps de souiller ta lame, Oswald. Oh, il est choupi en vrai. Eivor, j'espère que ton équipage nous aidera lors de cette attaque. Oui. Hey ! Putain, c'est bien fait. Hein. Allez, on y va. Jusqu'ici, personne n'a osé s'en prendre au clan de Roued. Ce royaume est composé de fermiers et de marchands. Même des paysans et des marchands peuvent combattre, s'ils sont bien menés. J'espère que ta foi en ces porchers est justifiée, Eivor. Nous aurons du travail, oui. Mais nous parviendrons à égaler c'est le clan. C'est quoi, c'est des phoques ? Ah ouais. Dieu y veillera. Il y a vraiment de tout. Hein. Faut que je m'en rappelle si un jour on a besoin de... Du sang pour Oda ! Maintenant, combat ! Oh, c'est trop stylé. Oh, c'est trop stylé en vrai. Quand je veux passer en mode discretos rapidement dans une maison quoi. Elle est trop bien celle-là, cette compétence. Par contre, c'est pas une compétence de combat quoi. Oh non, il y a quelqu'un qui est mort là-dedans. La pauvre. Faire quoi ? Oh, regardez ma petite protégée. Oh ! Merde. C'est ça que je voulais faire. Attends, il y a un coffre là-dedans. Oui, une clé. Comment ça, une clé? Ah, là, c'est, là, j'ai foutu le feu, ok. Mais j'aimerais bien voir la clé. Où la clé? Je vais donner quand même un bon stuff à elle. Hein. Cap de magister. Ok. Ah, j'ai plus de flèche. Les chariots, il est chariot et pas raison, il y a quoi d'autre à brûler là. Ok. Ça va exploser ça par contre. Assez. Ils n'ont laissé aucun survivant. Nous en ferons autant. Il y avait des survivants, arrête un petit peu.
Tiens, on voit le tour. Oh là là, ça va exploser. Il y a peut-être des prisonniers. Voici. Merde. Attends, un peu, je devais accompagner au trésor, mais il n'y a plus de trésor. Par ici! Ah, ce sera parfait. Tu as trouvé quelque chose? Oui, une caisse de fragments d'argent. Largement assez pour faire le bonheur de tous. Nous allons la porter au navire. Un combat difficile. Beaucoup d'autres suivront, Oswald. Te sens-tu prêt à continuer? Ok. Voici mon cadeau pour les frères. Les richesses d'Elmenham leur feront écarquiller les yeux. Mais ceci sera le symbole de mon engagement envers notre cause. C'est un bon début. Bon, on a un petit peu PL, mais bon. C'est pas grave, s'il devient roi sous PL, ça passe quand même, il est gentil. Emporte les richesses que tu trouveras à Norwich, puis fais venir les frères. Je te retrouverai là-bas. Ok. Que voulez-vous de plus? Je sais pas. Aucun Danois endurci au combat ne suivrait ce tas de Saint-Doux à la bataille. Quel que soit le nombre de boucliers qu'il m'apporte. Tu veux dire que tu refuses mes présents, Brodeur? Tu me fais perdre mon temps. C'est une offre généreuse, mon frère. Tu aurais tort de la rejeter. Si tu refuses ceci, la honte retombera sur tes fils et les fils de leurs fils. Reste en dehors de ça, ami des loups. Accepte ce cadeau, nous avons des problèmes plus grands. C'est un homme de Roued? Oui. Il reniflait près des murs extérieurs et cherchait le moyen de faire entrer quelques dizaines d'hommes. Si c'est un éclaireur, il doit y en avoir d'autres. Tu le saurais probablement si tu ne l'avais pas tué. J'étais en train de me soulager quand il s'est jeté sur moi. C'était lui ou mon épée de labour? Mon épée de labour. Valdis a raison. Il doit y en avoir d'autres. Si j'en avais vu d'autres, je les aurais tués aussi. Où as-tu trouvé celui-là? À l'extérieur des murs de Norwich, au bord de l'eau. Ils doivent chercher le moyen d'entrer pour faire passer un groupe de pillards. Par le Christ, trouvons un autre éclaireur et faisons-le parler. Je vais chercher. Vous, restez ici et ne vous montrez pas. Si je trouve quelqu'un de suspect, c'est quoi, je l'amènerai ici. Je les ai pas tous faits, malheureusement, je serai pas objectif. Mais vraiment, le premier que j'ai fait, il était vraiment bien. Les éclaireurs de Rouette devraient camper près de leur bateau. Quand j'ai découvert la série Assassin's Creed via... L'un d'eux par là. Enfin, genre, l'histoire était trop bien, tu vois, quand tu rentres dedans... Tu sors de l'animus, tu comprends un peu plus l'histoire, etc. T'es en mode, oh ouais, ok. Et c'est trop cool, tu vois. Près des petits bateaux, du côté des murs de... Ah, attends. Près des petits bateaux. Oh, putain. Bon, allez. Montre-moi ces terres, okay. Mon ami. On va y aller à patte. Nous l'avons remarqué à bord d'un bateau. S'il y en a d'autres, ils devraient être près de la berge. On va passer par le pont. Et on va tuer tout le monde. J'imagine qu'ils vont tous être là-bas. Le 2, les débuts de Ezio le Crack. Peut-être le 2, je sais pas, mais dans les premiers. Moi j'ai fait les 3 premiers. Mais j'ai vraiment kiffé les faire. Peut-être c'est au 3ème que j'ai lâché, je sais pas. Je pourrais pas te dire. Là, sûrement un homme de Roued. Ah, saleté de serpent! Attends! Qu'est-ce que tu fais? Je ne suis qu'un porcher! Je te trouve très bien armé pour un porcher. Ne bouge pas, Lastico. J'ai des amis qui aimeraient te parler. Repose-moi, puisque je te dis que je suis un bouvier! Lâche-moi, Danois! Tu te prétendais porcher tout à l'heure.
Ça n'a aucune importance. Bon, je m'occupe de toutes sortes de bêtes. À qui ? Mais aussi danois que moi. Mais, oh, épargne ta salive, menteur. Relou le Haki là. Non mais. Il avait déposé, putain, sur le loup, bordel. Un connard, trop bien. Bah, je pense que c'est les trois que j'ai fait. Je sais pas, mais l'histoire était vraiment cool. Et tous ces délires après, Black Flag, etc., j'avoue que j'ai pas fait. Ça m'a pas vraiment attiré. Et je te cache pas, je pense que si j'avais pas eu l'OP, je pense que ça m'aurait pas non plus intéressé l'univers viking. Et le fait qu'on ait l'OP, du coup, on a testé en avant-première il y a 4 mois. Et c'était vraiment cool. Et du coup, bah, je m'étais dit, bah vas-y, hein, quand il sort, on va le faire. Ouais, commentaire sur Gotaga TV, c'était giga chaud. Après, j'étais quand même un peu en mode, bon bah ouais. Par contre, s'il est pas ouf, on arrêtera directement quoi. On fera une petite mission, tout ça, on verra. Mais j'ai vraiment été piqué là. Franchement, il y a des missions, elles sont vraiment cool. Ok. C'est Roued qui t'a envoyé. Parle, et tu verras peut-être un autre soleil se lever. Sale arcre. Oh. Pas très Covid friendly. Ce n'est pas comme ça que tu vas te faire des amis. Un tel mot est une offense mortelle. Moi, je le tuerai. Ne lui laisse pas l'occasion de recommencer. Je te repose la question. Pourquoi rôdais-tu près des murs de Norwich? Je venais présenter mes hommages, seigneur, à Oswald, l'ergi pleurnicheur saxon d'Est-Anglie. Par deux fois, tu as insulté cet homme avec des mots interdits. Il a le droit de te tuer. Lèche-moi. Oh, si tu le tues pas, c'est... Voilà la langue avec laquelle je lèche. Elle est assez près de tes fesses, là. Et quand le feu sera allumé à Dunwich, Roued rassemblera ses hommes. Il compte attaquer le mur le plus faible de Norwich. Vous les Danois d'ici, vous êtes devenus des larves. Roued te salue bien, noble dame. Attends-toi à le revoir bientôt. On en sait assez. Il est temps de mourir. Ce n'était pas nécessaire. Il t'a insulté devant tous ceux qui sont ici. C'était à toi de le tuer, toi-même. Oui. Je m'oppose à ce qu'on verse inutilement le sang dans mon royaume. Ceci doit cesser. En vie, cet homme était un danger. Valdis, on aurait dit que cet homme te connaissait. Roued était mon mari. Ton mari ? Tu es déjà mariée ? Je l'ai été. Nous sommes séparés. Je ne m'attendais pas à le voir ici. Et je le souhaitais encore moins. La prospérité de l'Est-Anglie repose sur notre sécurité et notre unité. La présence du clan de Roued interdit l'une comme l'autre. Il faut que je lui parle, d'homme à homme. Il n'y a pas de place pour lui en Est-Anglie. Il faut qu'il l'entende de ma bouche. Bien. Dès demain, je vais chercher un autre roi. Ravi de t'avoir connu, seigneur. Roued soupera de tes poumons, Oswald. N'approche pas de lui. Pour être un roi digne de ce nom, je dois rencontrer l'homme qui nous tourmente. Je vais allumer le feu de Dunwich et l'affronter quand il viendra. Tu es certain d'y tenir ? Affronter Roued à découvert aura son lot de conséquences. C'est le seul moyen. Nous devons lui faire front, sans faillir. Viens, Oswald. Partons pour Dunwich. Et je compte bien vous voir aussi là-bas, vous deux. À défaut, je ferai en sorte que les sagas parlent de votre quardis pendant des générations. Vous vous préparez à partir pour Dunwich, n'est-ce pas ? Nous y serons, okay. Putain, 1150 mètres, ils abusent. J'en ai marre de marcher, là. Oh.
Bon. J'ai vraiment besoin de vous rappeler quel sort nous réservera Alfdan si jamais Rouette s'empare de l'Est anglais. Ne vous inquiétez pas, I'm with you guys. Qu'est-ce que... I'm with you. And no, I'm ospi as fuck, you know. Est-ce que le jeu est immense? Ouais, mais la map est gigantesque. Par contre, tu vois, sur les premières Assassin's Creed, la map était pas aussi grande. La map était petite, tu pouvais te téléporter, etc. Mais genre... Là, les gars, elle est immense, elle est pas finie. Encore, il y a d'autres mondes. Là, c'est le monde de... Enfin, c'est l'Angleterre. Mais la map, elle est gigantesque et j'ai l'impression que ça s'arrête pas. Moi, au début, quand on est arrivé ici, j'étais en mode... Oh, putain, elle est déjà grande, la map, tout ça. Et puis, j'ai l'impression que c'est interminable. C'est interminable. Je pense que la vraie limite, elle est jusqu'à là, j'espère. Mais la map est gigantesque. Il y a plusieurs mondes, quoi. À côté, t'as la Norvège, t'as Asgard. Moi, j'attends le DLC France avec impatience. Ah, il y aura un DLC France, tu penses? Ah ouais, ça me semblerait logique. On fait la deuxième quête de Valkar. Non, déjà je suis... Déjà on est dans celle-ci là. J'ai vu, faut être puissance 130 pour la faire. Après là on va être... on est 110 là déjà. Donc ouais, on peut commencer à la faire. On va finir ça déjà, ce qu'on a commencé. Les trucs de Valkar, le problème c'est qu'elle est à un endroit qu'on a toujours pas découvert. Où tu l'as pris dans la boutique ou débloqué une game? Dans la boutique. En fait, j'ai pris le package et il y avait tout. Après je crois que la boutique tu peux... Après ça fait un petit moment qu'ils m'ont pas donné de points. Waouh. Ça fait un petit moment qu'ils m'ont pas donné de puntos. Yeah. Souvent. L'autre fois, ils m'ont passé genre 300 trucs pour justement utiliser dans la boutique. Mais dans le jeu, tu vois, après avoir fini une mission, je sais plus quoi. Par contre, j'ai pas de... Ouais, j'ai pas de flèche. Viens ici, outre-merde ! Outre-merde ? On m'avait jamais dit celle-là. Moi je pense que si j'avais un château fort, ce serait comme ça aussi. Au bout d'une colline. Au moins tu vois, il n'y a qu'un side à regarder. Witch. Les hommes de Rouette sont passés par là. Eivor, te voilà. Ah, enfin quoique, je m'attendais à ce que ce soit plus... Que ce soit une vraie... Dunwich. Je vais te faire attaquer par la mer. Pas trop par la mer, gros. Ouais. Surtout à cette époque-là. Il est grand temps d'allumer le brasier. Je vais le faire. Oh, d'une falaise, c'est chaud quand même. Hein. Brotir, Valdis et moi allons examiner le quai pour éviter toute mauvaise surprise. Oswald et moi attendrons ici que le feu soit allumé. Et du coup, il y a aucune échappatoire si jamais il y a trop de monde. Si, il y a la mer, mec, saut de l'ange. La grande porte est bien gardée. Tu ne passeras pas. Je vais trouver un moyen. Nous te protégerons. Par contre, j'ai pas de flèche quoi. En général, quand tu as besoin de flèche, ils t'en donnent. Dunwich, reste à éliminer les hommes de Roued et à allumer ce feu. Sois mes yeux, Sinin. Ouais. Si je trouverai un moyen. C'est quoi là? Ok. Je pense que le moyen il est vite trouvé. Il est vite répandu.
tu vois, là, t'as un peu le choix, tu vois. Soit tu vas comme ça en mode silencieux, soit tu fonces comme un bourrin, tu vois. Tu peux choisir. C'est ça que j'aime bien dans Assassin's Creed. Tous les deux au fouet. Le problème, c'est que j'ai pas de flèche. Je suis mort. Bon, après, moi, mes assassinats sont en général pas très hauts. C'est pour ça qu'en général, par défaut, on y va le bourrin. Après, en général, faut des flèches si tu peux. Si t'as des flèches, c'est plus simple. Les flèches, il me les donne un peu trop tard. Je suis un très bon assassin en tout cas. Après, bien entendu, il y a ceux que tu peux pas assassiner parce que t'es pas assez level. Au combat! What the fuck? C'est un petit doliprane et c'est reparti. Merci l'ami, que Dieu te bénisse. À l'aide! Non, viens par le Christ, à moi! À l'aide! Par ici! Tu as fait ma gratitude. Play off! Merci. On the way swell that. Bon, faut que je descende un peu. Écartez-vous par contre, s'il vous plaît. Ah bah oui, forcément, on va dans le feu. Cette prison elle est horrible. En vrai je pense que si j'étais emprisonné je tenterais le saut. En fait sur cette prison t'es forcément mort. Le saut bah t'as des grandes chances de mourir mais... On sait jamais, sur un peu de chance. Ok, du coup je vais allumer la flamme. Éliminer les hommes, mais c'est bon, c'est éliminé là, non? Il en reste, c'est ça? Ok. Ok. Oh, salut. Tout à l'heure, tu me vois tuer tes potes et tu dis rien. On fait là. Je te vois, tu me vois, on se voit.
que j'ai pas de flèches là. Il y a des flèches peut-être là-haut. Non, tu sens pas ta côté de lui, il sent pas tes les couilles. Ah, maintenant il te montre ceux qui restent. Attends, je viens de prendre un fort. Mais qu'est-ce que je viens de là de base? Il n'y en a plus. Une fois le feu allumé, le reste des hommes de Rouette devraient arriver. Ok. Et là on va devoir défendre. Oh putain, ça va être... ça va être tendax. Si tu vas dans le chemin Corbeau pour les habiter, tu peux gagner plus de barres d'habilité. Odin me gâte. Ah. En échange de la vie de quelques hommes, il m'offre l'estanglie et me rend même ma femme. Oh, belle journée. Toi, je ne te connais pas. Enfin, le mec tu n'as pas besoin de connaître mon nom. Passé ce jour, tu ne pourras rien en faire. Qui m'a appelé? C'était toi, Valdis, mon amour. Et pourquoi t'appellerais-je après 5 années de bonheur loin de tes bourses puantes? Non, c'est moi, Roued. Toi, Oswald, qui prétend au trône d'Estanglie. Et qui a pour destin d'épouser Valdis. Oh, oh, oh. Pars et emmène tes hommes. En Estanglie, Saxons et Danois sont forts et unis. Ils ne craignent pas les pillards. Et je devrais faire voile vers le Danemark les mains vides, après un aussi long voyage? Tu auras mon poids en argent, et quantité de bétail et de grains. J'en ai déjà pris 10 fois plus. Qu'as-tu à dire à cela? Je te propose une chose, sombre porc, un Holmgang, rien que toi et moi, pour l'avenir de ton royaume. J'accepte. Ah ouais, c'est j'accepte. Bien, mais... combat à mort. L'enjeu sera l'Estanglie. Ainsi ai-je parlé. Attends un peu. Le noisetier est en place. Le carré est prêt. Dès que tu le pourras, emmène Valdis et ses frères à l'abri. Ils ne doivent pas se battre. L'Estanglie a besoin d'eux. Laisse-moi combattre à ta place. Non. Si, si, laisse-moi te faire. Quand tu veux, roi de la fange. Oh, y'a les loups avec. Je suis prêt! Il va se faire, Russ. Oh, bien défendu. Et un roi saxon de plus qui s'incline. Soumets-toi devant ton maître. Alors, on se bat comme un lâche. Le roi Roued t'ordonne de mourir. Oswald. Incline-toi. Ah,
Mais attends, mais vous faites quoi là? Je vais pas comprendre, Asphir. Ouais, les mobs sont plus forts que... Ok. Attends, je dois les accompagner, je dois faire quoi? Tu gagnes de l'XP si je tue les mobs ou pas? Juste pour voir. Ouais, je gagne de l'XP, hein. Moi je veux bien les farm, moi, les gars. Plus flèche, ok, j'arrête de fight. Ils sont encore dedans, je dois les aider, non? Plus avec les alliés. Putain. Non, c'est bon? Oh non, oh, putain. Il joue le dernier là. Pourquoi il joue? Ouais, je devais le soigner. Bon, en plus elle est importante elle. Ouais. Tu peux pas t'échapper. Elle est passée où? J'ai l'air de payer. Elle est passée où? Elle est partie déjà, c'est bon? Avec moi, ça fera le quatrième lâche de la semaine. Ok, tu tues. Ils s'en vont. Ils abandonnent pour l'instant. Non, c'est nous qui sommes en train de partir. On a réussi à les distancer. On peut se reposer un moment. Par Thor, il s'est bien battu. Enragé comme un putois. Il faut y retourner. Oswald a peut-être survécu, Roued aussi. C'est possible. Les hommes de Roued vont tenter d'en profiter. Il faut se préparer à leur attaque. Nous irons à Norwich. Retrouve-moi là-bas quand tu le pourras. Si j'avais choisi l'autre, il serait mort. Est-ce que ça, c'est vraiment impactant ou pas? Il est mort en héros. Aucun doute. Si son dieu ne l'emmène pas, les guerrières d'Odin le feront. Ok. Ça se trouve, je peux aller le sauver, non? ça se trouve, il y a un monde. Ouais, non, je pense pas. Je pense qu'il est, il est capoute. Ouais, il casse les couilles, il est pareil. On était à côté l'un de l'autre il y a deux secondes là. Pourquoi t'as besoin d'aller gigalement pour qu'on parle, quoi? Putain. C'est trop ça. Un autre roi perdu, Eivor. Arrête de noyer tes soucis dans l'hydromel. Qu'est-ce que je vais dire au Jarl Halfdan? J'ai encore échoué. Nous pouvons porter le combat chez ce qu'il reste du clan de Roued, avant qu'il ne contre-attaque. C'est facile à dire. Ces hommes sont retranchés à Burg Castle, une forteresse en bord de mer. Sur la côte? Alors il doit y avoir un port. Oui, protégé par une porte en bon fer, tenue en place par des madriers. Difficile à enfoncer. Le bois, ça brûle. Il est vrai, mais comment faire pour l'atteindre? En entreposant de l'huile à la proue de ton navire, et en l'incendiant à la porte. Ils nous verront arriver, bien avant qu'on atteigne les murs. Levons un Fyrd,
une troupe de paysans d'Est-Anglie. Envoyons-les faire diversion à la porte principale. Des Saxons prêts à mourir pour des Danois. Cela tient du rêve. Cela peut marcher, Finr. S'ils se battent pour Oswald, ils n'auront pas besoin d'autres motifs. Vous, là, vous savez ce qu'a fait Oswald? Oui, bien sûr. Il a traîné ce diable danois de Roued jusqu'aux entrailles de l'enfer. Roued a disparu, mais son clan maltraite toujours l'Est-Anglie. Viendrez-vous avec nous chasser ces chiens de votre royaume? Pour Oswald? Oui, sans hésiter. Deux Saxons vengeurs, c'est loin de constituer un Fyrd. Mais tu as peut-être raison, cela peut marcher. Je peux aller à Helmenham et rallier ce qu'il reste des forces d'Oswald. Qui d'autre se joindrait à nous? Winston, le magistrat de Théoford. Il n'est pas ce qu'on appelle un joyeux drill, mais il se battra jusqu'à la mort pour ses terres. On peut établir un campement dans les ruines qui sont au c'est nord bon. De Burg Castle. Parce que là, du coup, on va devoir aller chercher Machin. Accompagne-moi, Finn. Allons voir ce magistrat. Moi, je vais faire la bagarre direct, moi. Si nous avons de la chance, Roued n'aura pas mis à sac Théoford. La chance est une denrée rare en ce royaume. Peut-être, oui. Mais je préfère m'accrocher à quelque chose, plutôt que de chevaucher les mains vides. Si le clan de Roued continue à s'en prendre impunément à ce royaume, les habitants d'Est-Anglie seront aussi piteux que cette terre. Ça, bien sûr que si. Et regarde-nous, abattre les marais afin d'implorer l'aide d'une bande de paysans apeurés. Oui, mais afin qu'ils combattent pour le roi que tu leur as donné, Finn. Ne l'oublie pas. Ma tâche était de leur trouver un roi, pas de le protéger contre tous les périls qu'il aurait à affronter. Oswald n'était pas encore couronné, ni marié. Mes yeux t'attachent. L'ami des loups. Oh, je suis connu maintenant. Vous avez vu? Ils ont cité mon place directement. Théoford, là, devant. De la fumée et des cendres. Les hommes de Roued sont passés par ici. Oswald n'était pas encore couronné, ni marié. Méfie-toi. Il reste peut-être des hommes de Roued. Tu ne manques pas de culot pour te montrer ici. Ce sont les tiens qui ont fait ça. Ton ennemi, c'est le clan de Roued, pas moi. Je viens au nom de feu Oswald d'Helmenham. Tu n'en restes pas moins, Danois. Et c'est votre présence qui a entraîné la mort d'Oswald et plongé notre royaume dans la ruine. Oswald est mort en défendant les Stormwind, en vous défendant. Tu refuses d'en faire autant? Mourir en servant une cause perdue? J'ai déjà assez de soucis comme ça. Si l'on ne triomphe pas du clan de Roued, l'Est-Anglie tombera. Combat à mes côtés contre lui, pour Oswald et pour les tiens. C'est ce que j'ai fait justement il y a trois mois. De belles paroles, Danois. Il me semble. Mais les gens de Théoford ont leur propre combat. Si jamais tu as besoin d'une hache, je suis là. Il y a à l'est un village appelé Kingsbury. Les hommes de Roued s'en sont emparés il y a 2 semaines. Je tiens absolument à le reprendre. Laisse-moi m'en occuper avec mes hommes. Économise tes forces et rejoins-nous pour les combats à venir. Je crois que c'est là qu'on a, que le mec m'avait dit... le mec c'est honorable. De Uplay m'avait, si tu tiens m'avait fait parole, jouer cette partie d'histoire. Les pics de Théoford se joindront à toi. Sauf que là, on je vais porter fait. Cette nouvelle à notre jouer. Campement, Eivor. Viens dès que tu le pourras. Je te retrouverai là-bas. Au sommet de l'église de Kingsbury se trouve une grande corne. Très bien, si genre, tu c'est réussis, ce qui finira que les amis, la famille corne, et les héros meurent à la fin. Et nous saurons que tu as tenu ta promesse. Bah, de toute façon, dans tous les cas, le héros que tu incarnes, il meurt forcément, t'es dans ses pensées. Après, de vieillesse ou autrement, ça... Bon. Du calme, mon ami, nous allons rebâtir, je te le promets. Je n'en aurai pas la fin. Tiens, bon. Là, on va prendre le bateau et on va aller raid. Toi, le Danois, j'aimerais te parler. C'est arrivé. Tu as besoin de moi? Nous t'avons entendu discuter avec le magistrat, et nous voulons combattre à tes côtés. Oswald a toujours été bon et juste avec nous. À la bonne heure. Rejoignez les ruines au nord de Burg Castle. C'est là que se rassemble l'armée. Moi, je m'en rappelle pas de cette map. Tu as vu ma mère? Ah, mon pauvre. Ta mère, quand l'as-tu vue pour la dernière fois? Avant l'arrivée du champ. Elle a dit qu'elle allait revenir, mais je ne l'ai pas revue.
Ah, c'est triste. Salut les gars. Excusez-moi, je veux justement le commandement. What the fuck? Allez, en route. Plus de toile. Ok, allons-y. Hein. J'ai envie d'une chanson. Pourquoi on n'a pas la musique? Putain, c'est triste là. Hein. Je sais pas, je trouve qu'il y a une ambiance triste cette nuit là sur Assassin's Creed. Silence maintenant. Allons piller le champ du sang. Ah, ok. Tuez-les tous. Ouais, ils sont très bien. Allez, je vous laisse là. Je vous laisse faire, les gars. Oh, j'adore la musique. Moi, je me rappelle de cette église. Moi j'étais arrivé par là, moi. Bon, ça je l'ai déjà fait, ça, du coup. C'est ce qui m'a donné envie de faire ça s'inscrire à sa sortie. C'est pas là, mais c'est vous allez voir après toucher ce qui se passe. Ouais, je me rappelle de vous. Tu vas le payer cher. Allez, allez, joue. Ok. Ok. Kingsbury, où brouillent les hommes de Rouen. Et ça, du coup, c'est ce qu'on avait testé, les gars, il y a. Ce qu'on avait testé justement il y a 4 mois en avant-première. On avait pu jouer pendant 1-2 heures. C'est relou les agiles comme ça. Bon, par contre j'étais mort un nombre de fois incalculable. Ah, on a un peu level up depuis. Une église, ouais, je suis désolé. C'est... Oh, toi, qu'est-ce que tu fous là, toi? On fait des raids ensemble et après tu m'insultes mes morts. Je comprends pas. Oh, ok. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Non, si là. Non, c'est pas ça. C'est à l'entrée.
prends tout ça, tout ça, tout ça. On prend délirer les insultes. C'est bon. Il est temps d'utiliser la corne et d'annoncer la victoire. Ah ouais, je me rappelle, ouais, c'est exactement ça qu'on avait fait. Salut les bras. Après, on n'était pas aussi bien stuff, tout ça, tu coco. On jouait à la manette. C'était bien d'ailleurs de jouer à la manette aussi. Mais du coup, ce qui suit, ça va être lourd. Ce qui suit, c'est vraiment ce qui m'a donné envie de jouer quand... Pour ceux qui avaient vu sur la chaîne secondaire, la Gotaga TV, quand on l'a testé. On va faire un débarquement, les gars, comme en Normandie. Vous allez voir, ça va être insane. Les souris, super à manette. L'arc, j'avoue que je te cache pas que j'étais pas aussi à l'aise avec une manette. Hein. Non, pas là. Le magistrat est venu se joindre à moi. Espérons qu'il tiendra parole. La corne ! Cela faisait si longtemps que je ne l'avais pas entendu. J'ai respecté ma promesse, magistrat. J'espère que tu en feras autant. Oui, je tiendrai parole. Théophord combattra à tes côtés face au clan de Roued. Et grâce à ton aide, nous pourrons encore sauver l'Estanglie. Autrefois, cette corne servait à rassembler les Firdes. Je dis qu'on va faire un débarquement. Ouais. D'autres peut-être répondront aussi à son appel. Bien. Si tu trouves des hommes prêts à combattre, envoie-les aux ruines, au nord de Burg Castle. En vrai, je trouve qu'ils ont pris une bonne partie. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait tout le début, on n'avait pas vu la mort de Oswald. On est arrivé au moment où on arrive dans le village, tu vois. Je dois retrouver Finn à notre campement. La corne de Kingsbury a incité beaucoup de paysans à réagir. Oh. Est-ce que je m'étais TP ou est-ce que j'avais avancé? Non, je crois que j'avais avancé. Oh, dis-moi que j'ai un truc à côté. Ouais. Bon, Lizard, t'as joué à Assassin's Creed ou t'as Switch? Alors, j'ai joué un peu à Code, un peu Hearthstone, et là on est. Ça fait un petit moment qu'on est sur Assassin's Creed. Par contre, ça je le ferme. En fait, c'est Asgard que j'ai fait trop tôt, les gars. En fait, je devrais faire Asgard après ça, logiquement. Je pense. En fait, j'aurais dû faire Asgard quand j'étais level 90. J'y suis allé quand je suis level 40 et ça m'a boosté de ouf. Et là, du coup, bah, celle-là, genre le level conseil est 55. Sauf que maintenant, on a le double en fait. Donc, forcément, même les boss, on les trucide quoi. Cette corne a sonné à Elmenham. Valdis a dû intervenir là-bas. Vraiment faire cela. Nous ne sommes que des paysans. Mon navire va enfin reprendre du service. Hey ah, je me disais bien, c'est là que sa tête m'avait. Eivor, la nouvelle de tes actions des frères assemblée est prête. Là, je me rappelle, le jeu avait pas mal planté. Des hommes arrivent de toute l'Est-Anglie. Ah, les mecs du navire n'étaient pas très contents. Ils disaient, ouh, mais je sais pas montrer dans la vidéo que ça va planter nous. Quand même. Ces hommes seront bientôt là. Ils ne seront pas les seuls. La corne de Kingsbury a réveillé les hommes de tout le royaume. Nous aurons l'armée qu'il nous faut. Il semble qu'Oswald ait réussi en fin de compte. Saxons et Danois sont unis pour une cause commune. Dommage qu'Oswald ne soit pas là pour le voir. Nos forces seront bientôt prêtes. Es-tu prêt à lancer l'assaut? Oui. Je le suis. Manque juste notre des objectif flèches. Est Burg Castle, que l'on dit inexpugnable. Bien. Ainsi l'ennemi sera moins vigilant. Sous le couvert de la nuit, Valdis mènera le Fyrd à la Grand Porte. Cela distraira les hommes de Roued, et nos forces rejoindront la porte maritime sur les eaux noires. Et une fois à l'intérieur, nous ouvrirons tous les accès au château. Il faut empêcher les hommes de Roued de se retrancher davantage. Ton navire... T'as bientôt fini le jeu? Ah non, pas du tout. Il attend son moment de gloire.
c'est parti, les gars. Il faut que tu leur parles, Eivor. Ah oui, je me rappelle, il fallait choisir un discours motivant. Je sais pas ce qu'on avait pris. Je crois que j'avais pris ça. Vous avez longtemps vécu dans la peur. Ils ont brûlé vos maisons, incendié vos champs. Aujourd'hui, voilà votre chance. Combattez pour vous libérer de cette souffrance, de cette peur. Liberté ! Liberté ! L'heure est venue. Aujourd'hui, nous allons débarrasser à jamais l'Estanglie du clan de Roued. C'est parti. Et regardez, la transition directement. Oula, faites attention avec ça dans les bateaux. Et là, ça avait, le jeu avait planté, moi. Là, je me rappelle. Tu te souviens du rêve dont je t'ai parlé ? Tu rejoignais le Helheim à bord d'un navire en feu. Peut-être une réalité aujourd'hui. Les rêves, la vie, sont-ils une seule et même chose après tout ? Oui, ça, quand j'étais comme ça, j'étais en mode waouh, trop stylé. Attends deux secondes. On a dit qu'on allait où ? Branche assassin là. Branche assassin. Ouais, assassinat avancé, faut qu'on l'ait. Ce soir, je monte le destrier marin de feu, bâton des Yanningar en main. Au galop, je cours à la ruine et à la fin du monde. Tenez-vous prêts. Les chiens de Roued vont me voir venir. Je me rappelle, j'étais mort aussi une fois comme ça. On va devoir esquiver. En vrai, ils ont bien choisi cette partie du jeu pour la mettre en, t'sais, en preview, en test. L'ennemi nous a vus. Allez, tenez le cap. Soyez prêts à vous abriter, mes amis. Nous apportons le Helheim à l'ennemi. Regardez, ils ont la bonté de nous offrir leur propre enfer depuis le ciel. Défaite ! Protégez-vous ! Par Odin ! Puissent ces vierges guerrières vite les emporter. Vous n'êtes pas passé loin ! Soyez prêts à brandir vos boucliers ! Ok. Ça va là, y'a qu'une touche. Il me semblait qu'il y en avait deux. On sait jamais. Tenez bon, soldat ! Même si quand on se protège, on... Putain, on perd des camarades. Il tire avec quoi, là ? Comprenez-vous ? C'est quoi cette technologie ? Tenez bon ! Ok. Maintenant ! Maintenant, ça manque de musique épique. Ouais, mais je crois qu'il y avait une musique. Je sais pas pourquoi il y avait pas la musique. 100% il y avait une musique. Peut-être parce que j'ai enlevé les options de musique copyright. Je crois qu'à un moment, ils me demandaient. Mais ça devait être une musique copyright. Ce bélier en place, il faut ouvrir ses portes. Ok, donc là c'est un J là, Red. Que les dieux se maudissent. Mettez en œuvre le bélier. Les chiens de Roued ne savent qu'aboyer. Pour les mettre en pièces.
Bouge. Allez, vite! C'est ça! Allez, plus loin. Allez! Ok, encore un petit coup. Juste un petit. Un petit comme ça. Tombe devant moi! Oh, putain, vas-y, on va refaire un gros coup. C'est bon, j'ai compris, m'en dites pas plus. Oh mais je l'ai même pas vu. Mais ouais. Okay. Le bélier devrait pouvoir percer. D'accord. En fait, ils sont pas si faibles. Je m'attendais vraiment à ce qu'il soit facile. Mais pas tant ça en fait. Bougez. C'est bon? Ok, bouge. Allez-y! Il va finir en rabout! Oui! Le timing de ce oui. Tu vas finir en ragout. Oui. Voilà, tu fais quoi toi? Oulala, c'est pas le moment de faire ça, bro. Fais quoi avec ce marteau là, le mec là? Enfin. Regardez-le le DDR. Écoute, il y a des moments où les IA, j'avoue qu'elle est débile. Ah. Attention! Ce bélier devant la porte est poussé! Poussez et frappez! Le sort de l'estanglier en dépend! Notre plan de bataille fonctionne! Continuez comme ça! Tu vas le payer cher! One man army, les gars. Le fier est rentré. Ces paysans et ces marchands savent se battre. Allez, laisse faire. Déchaînez votre fureur. Oui. J'ai besoin d'aide avec cette porte. Protégez-vous. Oh là là. Désolé, quoi. Elle reçoit nos coups. C'est ça. C'est pas les gars, c'est mental. Il va y avoir le feu encore. T'inquiète les gars, c'est mental. On va attendre un petit peu. Bon, vous savez quoi, continuez sans moi, ils cassent les couilles les deux. Hein. Oh, ils sont malins, tu veux pas aller les chercher. Ah. Allez, allons nourrir les corbeaux. Mais toi tu meurs pas toi. Ah oui d'accord, toi c'est scripté. T'inquiète.
C'est ça les paysans. Niquez les soldats. Ah, ça c'est pas un paysan ça. Ça c'est un beau gosse, c'est comme ça qu'on l'appelle les gars, putain. Oswald. Ah, il est pas mort. Il est en vie. Je m'en rappelais plus. Oswald est en vie. Hey, mort, c'est bien toi. Ferme-la, échine de roseau. Attends, mais ils ont pas eu une égratignure ni rien. Tiens bon, tout sera bientôt terminé. Ne t'inquiète pas pour moi. Tu dois empêcher. Silence, charogne. Alors nous y voilà, amis des loups. Deux Danois qui s'affrontent pour un fils de chienne de Saxon. Si tu veux ce pourceau, tu devras venir le chercher. Ok. I'm coming, dude. I'm coming. Tu sors, bâtard. Salut à toi. Vas-y. Je vais te saigner. Je vois pas un gros bout. Oh genre ça a pas fait. Y'a un autre gros boss à tuer ou pas les gars? Bon les gars. Ça va te coûter cher. Tu aurais dû filer plus tôt. Ok les gars, go. Je laisse vous amuser. Moi, oh, il y a le taf qui m'attend. Allez. Dommage que j'ai pas le niveau pour vaincre les gros boss, les assassiner directement. Dommage, j'ai loupé. L'ami des Saxons vient se battre. Tu n'as pas encore gagné, Oswald. Tu diriges un clan de scélérats, Roued. Oui, mais qui saigne à blanc ce pays depuis deux... Nous devons régner sur eux, amis des loups. Les asservir, pas les traiter. Non, j'ai loupé, mais si t'as le bon timing, il y a moyen que ça passe à un bon truc. Ne me traîne pas dans la fosse à Purin où tu te vautres. Pars, Roued, tant que la pitié retient ma lame. Pas avant d'avoir pillé tout ce qu'il y a sur ce rivage. Laisse Tanglio à son roi, et ce ne sera jamais toi. Et alors quoi? Ces casticots en cage? Tu dois être aveugle pour me soutenir. La Niflheim et sa froidure seront les seules récompenses de tes actes. Le Valhalla est mon seul destin, mais je ne compte pas y aller aujourd'hui. Pourquoi un Danois se bat-il au profit d'un Saxon? Et surtout de celui-là. Il possède en abondance ce dont tu manques. Il est digne de régner, de diriger. Toi, tu n'es qu'un simple voleur sanguinaire. Oui, mais qui saigne à blanc ce pays depuis deux étés. Cette contrée est peuplée de faibles, et tu ne fais pas exception à la règle. Mais le feu peut tout purifier. Ok. Des Danois qui se battent pour un roi saxon. Les sagas se moqueront de ce jour. Je sens que ça va me plaire. Comment on le finit?
Attends-nous. Le boss en bois, bah je vois qu'il est pas très fort celui-là. Mais je sais quand j'avais testé le genre d'amour première, il était chaud. Hein. Il était chaud. Merci. Tu te commets avec ces bons à rien, ces verras, et en échange de quoi? D'un lopin de terre et d'une promesse de paix? Eivor, non! Il doit être jugé devant Dieu, une assemblée légitime. Mon règne ne commencera pas en versant plus de sang que nécessaire. Un autre affront flagrant. Pour les méfaits qu'il a commis, cet homme doit mourir. Les anciennes lois sont claires. Ce sont les terres d'Oswald, où il doit régner comme il l'entend. Eivor s'incline devant les rois. Défier un roi, c'est l'humilier. S'il perd son honneur, l'Estangli ne pourra guérir. Et ton honneur, Eivor, jusqu'où consens-tu à le sacrifier? Oh putain, le tuer? Qu'est-ce que j'avais fait? Je l'avais tué ou pas dans... Réfléchis, épargne-le. Les gars, je pense qu'il y a un sondage qui doit être fait. Je sais plus ce que j'avais fait sur... Je sais plus ce que j'avais fait quand j'avais testé le jeu, si je l'avais tué ou... Moi je vote pas les gars, je vous laisse décider. Je vous laisse décider. Moi tu essaies de faire du bien au roi, si toi tu respectes pas, qui le fera? Ah écoute, après le chat a voté hein. Pense à l'alliance, il faut stabiliser Saxon sur son trône. Ouais, vous avez raison. C'est vrai que... Non, le chat a voté. Il mérite la mort, Oswald. Le chat a voté. Eivor, je t'en prie. Oh ah. La loi du Talion n'apporte rien de bon dans le cœur des hommes, Eivor. Rien du tout. Je devrais aller voir Oswald et m'assurer qu'il va bien. Bien sûr qu'il va bien. Eivor. Saxons et Danois, nous avons bien combattu, côte à côte. S'il doit y avoir un avenir commun pour nos peuples, ce sont les gens comme toi et moi qui devront changer le plus pour y vivre. Même si cela nous est inconfortable. Quand tu porteras la couronne, tu décideras des règles de cette contrée. Tout ceci... ressemble à un rêve. Sauf que tu ne dors pas. Vous vous êtes bien battus, tous les deux. Tu es là aussi, mon vieil ami. Si j'avais su que tu étais encore en vie, je serais resté à Norwich. Regarde autour de toi. La joie règne, et nous avons triomphé. Et bientôt, un grand événement aura lieu. Nos épousailles, mon amour. Enfin, si tu veux toujours de moi. Pourquoi te rejetterais-je? J'ai mal combattu. J'ai laissé l'ardeur et la colère de cette brute avoir raison de moi. Et je... Assez, Oswald. Tant que tu l'as tué, tu veux savoir ce qui serait arrivé si tu avais fait autre choix? Franchement, ouais, je suis chaud. De toute ton âme, je ne demandais rien de plus. Regardez pas le chat, les autres qui sont pas avancés jusqu'à là, peut-être, si vous voulez faire ce choix. Il y a beaucoup de choses à préparer. Une femme à épouser et un royaume à diriger. Certains seraient... Dites-moi, parce qu'il y en a forcément dans le chat qu'on fait le choix. Et beaucoup sont morts pour l'obtenir. Et toi, Finn, cela te rend-il envieux? Certes non. J'ai le cœur ardent, mais les os fatigués. Et dites-moi... J'aspire seulement à une bonne sieste. J'ai vu un tas de foin un peu plus loin. Plus tard, Eivor. Pour l'instant, je dois prendre soin des blessés. Alors nous nous reverrons au mariage. Oui, et j'y compte bien. On t'aura affronté un peu plus tard. Je dois retourner à Elmenham. Le mariage d'Oswald est pour bientôt.
Bien joué à tous, les gars. Puisse cette fête augurer de l'avenir de l'Est anglais. Eivor, je suis heureux. Ça te ressemble bien de faire attendre un roi à son mariage. Mais j'ai fini par arriver. Je craignais que tu ne viennes pas. Je t'ai dit que je te ferais couronner, et ce moment est arrivé. Sans toi, je serais mort. Un autre espoir envolé pour l'Est anglais. Tu as l'air en forme, Oswald. Alors, il a vraiment la mentalité Shonen, Oswald. C'est vrai. Tout le monde peut être ami, tout le monde peut... De toutes les batailles qu'un homme doit mener, la plus difficile est la guerre contre lui-même. Ça me fume qu'ils aient sauté de je sais pas combien de mètres de haut. Aucun des deux n'est mort, aucun des deux n'a des gratinures, aucun de... L'eau, les gars, à partir d'une certaine distance, c'est du sol. Hein. Et vu comment ils sont tombés, je pense pas qu'ils ont fait les plongeons optimaux pour... Et du coup, on a fait plus de la moitié de l'histoire, non. C'est l'esprit Shonen. Je vous déclare maintenant mari et femme, et à ce titre, je vous nomme... Oswald Delmenham, premier du nom, roi légitime d'Est Anglie, et sa dame Valdis, âme, poing et beauté de ses terres. Il n'y a pas de baiser, rien, ouais, c'est très... Très fermé. Tu as réussi, intendant. Désormais, un roi occupe le trône d'Est Anglie. Ne t'exclus pas de ce champ. Nous y sommes parvenus ensemble. Tu peux retrouver tes rêves, de feu et du Helheim. J'ai perdu mon chemin il y a quelque temps. Difficile de dire quand. Ça m'a toujours déplu d'être ici. C'était le rêve de Halfdan. Il m'a ordonné de l'accomplir. Dans mes rêves, je navigue. Tu te souviens? Le vent dans ma barbe, le sel sur mes lèvres. J'aimerais retrouver cette vie. Seul le temps dira si... Mangeons, buvons, et oublions nos souffrances. J'ai un rage de confiner, putain, vous êtes chiant. Eivor, un défi, peut-être? C'est quoi ton défi? Eivor, ami des loups, admire mes peaux. Ils sont solides, mes peaux. Impossible de les briser à cette distance. Je ne crois pas, Brotir. Mes flèches brisent tout ce qu'elles touchent. C'est pas, après avoir bu autant d'hydromel, si tu réussis, je t'offre une récompense. Ok. Garde les yeux ouverts assez longtemps pour m'admirer, outrabière.
Je veux clavier souris, frère. Tu peux pas me tester ça. Hein. Si j'avais un joystick, tu pourrais peut-être, mais bon. Comme il me reste même juste une pour ta tête, si tu veux. Une tâche facile pour l'ami des loups. Ah, c'était plutôt facile. Impressionnant. Ah, parce que j'avoue qu'à la manette, ça doit être dur. Tiens, parce que tu dois avoir l'alcool qui fait bouger ton joystick, tu dois aller à l'opposé, ça doit être horrible. 50 balles, ouais, écoute. Admettons. Bon, par contre, je suis drôle, j'ai pas sur lui. Ouh, la petite feuille là. Ouh, la feuille. Ah, elle est là. Petit atout. On tisse la feuille en étant drague, c'est relou. Cette église n'avait jamais été aussi belle. C'est Ostwald qui a conçu tout ça. Il a choisi toutes les décorations ici. Attends, mais je peux pas aller en haut là-bas. Skol, Eivor, hey, bon, buvons-en ton point manque de bière. On va arranger ça. Il doit falloir un sacré courage pour boire avant le nouveau roi. Un courage qui ressemble au nôtre. À Odin, et à ses gloires éternelles. Et au nouveau roi d'Est-Anglie. Puisse son règne être long et juste. Ah mais on boit comme ça, gratos enfin... Pas mal, ami des loups. Je parie que tu es incapable de boire plus que moi. C'est le pari d'un fou. Mais ça reste un défi. Vas-y, dis-moi que je peux parier plus que 200. Je vais te faire rouler sous la table. Tu ne manques pas d'assurance. Voyons ce que tu vaux face au prince de la bière d'Est-Anglie. Et intéressons la chose. Nous allons parier un peu d'argent. Qu'en dis-tu ? Bonne nuit à ceux qui vont se coucher, les gars. J'accepte. T'es en 30 balles, c'est chaud quand même, hein, dans un pari à boire. Ouais, y a du monde. Après, moi, je suis un joueur de l'âne, donc Osef. Le but, c'est les gars, vous pensez que c'est de faire le cercle le plus grand ou le plus petit? Non, j'étais pas focus. Je pense le plus grand, non? Ça, c'est une grande gorgée, non? Alors, on titube? Bon, c'est close, faut pas que je me foire. Bière d'ici est forte, mais je suis close, plus fort qu'elle. Oui, et que moi, tu bois aussi bien que Valdis. Je paierai cher pour voir ça. À propos de paiement, où est mon argent? Tiens, tu l'as mérité, ami des loups. Admirez comme j'ai le pied léger. Aussi léger qu'un ours dans un boulot. C'est comme ça qu'on danse à Elmenham. Si je fais le descendre du toit, je pète le truc ou... Attends, je suis drunk là. Oh, aïe aïe. Eivor, Eivor, du bon vin pour un bon chien. Viens te joindre à moi. Tiens. C'est bien ici, non?
En hauteur ? Qu'il vit le dieu des Saxons ? Parce que moi, je l'ai pas vu. On dit qu'il se complaît dans le mystère. Regarde, la lune. Elle a l'air paisible. Mais un jour... Et t'as 40 sang ? Ah ouais ? On la dévorera et les nuits seront à jamais... Merde, j'ai même pas fait attention. Tu es sûr que ça va ? Vous avez l'œil, hein. J'ai de nouveau goûté à la gloire. Et ça m'a plu. Lui, il va rejoindre notre armée, lui. Ravi de l'entendre, mais... J'ai toujours eu l'impression d'être Skull ou Hati à poursuivre et tâcher de réaliser les désirs de Halfdan. Mais j'ai enfin attrapé mon soleil et ma lune. Et je ne sais pas. Relâche-les. Pars pour un autre rivage. Mon navire est au Valhalla. Tu l'as oublié ? Allumeur de brasier. Allez, il est temps de redescendre. Oh, ce que ça tourne. Faites descendre. On va appuyer sur F5, mais... Tu es très fort. Et toi, tu es imposant. Je voulais le balancer, moi, mais... On peut pas ? Je pouvais pas le balancer. Ah, pardon, Eivor. J'ai connu une dernière gloire. Je devrais être heureux. Et je suis heureux. Merci. Ce n'est peut-être pas la dernière. Pas la dernière. Attends, par contre, il m'a arnaqué l'autre. Mon argent, il est où ? C'est pas ça, putain. Le sanglier est symbole de fertilité. Non, bah tiens, ouais. Tu le savais ? Tout comme Freyr. Où veux-tu en venir ? Tu m'impressionnes, Eivor. Ta compétence au combat, ta force de caractère. Tu as tellement de talent. Pourtant, je me demande si je pourrais t'impressionner avec l'un des miens. Même un fou a quelque chose à enseigner, qu'il en ait conscience ou non. Ouais. Mais je pourrais te montrer comment se manie mon épée de labour. Oh non, 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 je ne suis pas... Non, je ne suis pas... Ce champ est en friche, brother. Il n'a que faire de ton épée de labour. Tu as cru que... Oh non, non, je plaisantais. Viens, allons boire et nous amuser. J'ai pris de l'avance sur toi. Attends, tu as entendu ? Est-ce que mon frère vient de m'appeler ? Je crois que... Je ferais mieux d'y aller. Protir ! Ah, je bon, j'ai rien, hein, je... Il faut que j'aille voir comment va Oswald. Prendre... Putain, il a pas abandonné ma thune, quoi. Eivor, donc là, si j'avais cliqué là, genre... Le faire en ta présence. Il allait utiliser sa lance de... Ça a été une très agréable cérémonie. Et tu t'es suffisamment amusé ? Je suis prêt à t'écouter parler à ton royaume. Viens, viens alors, rejoins-moi. Chers amis et invités, nous avons connu des temps difficiles. Nous avons l'impression de n'avoir goûté qu'au malheur et la souffrance. Mais ce n'est pas le conflit qui nous unit. C'est la compassion. Puissions-nous toujours faire preuve de compassion. Il se serait passé quoi s'il avait dit oui, je suis curieuse. Je alors, sais pas. À mes amis et voisins danois, c'est vrai que je suis quelqu'un de très curieux. Peut-être qu'on aurait peut-être dû se laisser aller dans un jeu vidéo et voir. Et à mes frères chrétiens. Et voir là où ça pouvait nous amener. Peut-être. Peut-être qu'on aurait dû être peut-être plus ouvert d'esprit. Je sais pas. Mais c'est vrai que je suis curieux aussi. Je suis comme toi, qui est curieuse. Il est en ce moment même en chacun de vous. Il t'arnaque ensuite, il veut token. Alors, à notre avenir. Il reste un peu mou côté insulte. Mais ce roi du coin. Et à Eivor. T'as sauvegardé qui ? Ah ouais, toi tu veux encore plus voir que moi, toi. Lui, il veut juste faire le jeu. Il va l'acheter juste pour ça, pour arriver à cette phase et cliquer sur oui et voir ce qui se passe. Au nom de l'Est Anglie, que cet anneau témoigne de notre loyauté envers le clan du Grand Corbeau. En même temps, je suis BG, c'est normal. Ce qu'il a accompli pour nous en ce jour. C'est normal. Aurais-tu quelques paroles sages à nous dire ? Il t'aurait simplement peigné les cheveux.
Oswald, tu n'aurais pas été mon premier choix pour le trône, ni même le second. Je te trouvais faible, versatile, et mollasson. Mais certains hommes ne se révèlent pas au premier regard. J'ai ensuite découvert qu'Oswald avait un cœur comme on n'en voit que peu. Il est solide, il est sage, et il est brave. Il a toutes les qualités que l'on attend d'un roi. Il est le roi que mérite l'Estanglie, et le roi qu'il vous faut. Au bon roi, Oswald! À Oswald! Skål! 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 Très bien, la course nuptiale va commencer. Rappelez-vous que vous devez tous laisser gagner les nouveaux époux. Vite, mon frère! On ne peut pas perdre devant Oswald. Ah ouais. Non, la défaite, je connais pas moi. Mais à qui? Putain, mais à qui? Regardez, putain. À qui tu casses les couilles, hein? Toujours à vouloir laisser gagner les gens, être trop gentil là. Bah ouais, il avance pas, je suis dernier. Je suis dernier à qui à cause de toi? Putain. Il avance pas. Tu as perdu. Ce fut un très beau mariage, Oswald, comme tu l'avais prédit. Merci à toi, pour tout ce que tu as fait. Rassembler les fragments de l'Estanglie ne sera pas facile. Mais tu ne seras pas seul. Saxons et Danois se sont unis pour toi. Tu es l'homme que ce trône méritait, et tous te soutiendront. Le script du loup dur, je te jure. Ils ont Merci pensé aux tricheurs comme moi. Je ne sais pas quoi dire. Lors de notre rencontre, j'ai parlé d'une alliance. Respecteras-tu ton serment? Oui. Considère l'Estanglie comme une amie du clan du Grand Corbeau. Alors un jour, je viendrai avec une requête. Adieu, mon ami. Au revoir, plutôt, grand roi. Il faut que je trouve Finr pour le saluer avant de partir. C'est bon, j'en ai marre de parler, moi je vais rentrer chez moi là. Oh, c'est bon, l'alliance elle est faite les gars, j'ai carry, j'ai PL un mec, il est devenu roi, au bout d'un moment, bon. Tu rates les festivités. J'ai eu mon content. Mais gros, c'est devenu notre second père, on fait que lui parler, il faut arrêter au bout d'un moment. Je me sentais fini, Eivor. Avant tout ça, je croyais mourir sans avoir rien accompli. Mais aujourd'hui, mon cœur brûle de nouveau. Je veux vivre intensément. Et mourir debout. La gloire se moque de l'âge, Finr. Viens avec moi. Mon navire a toujours besoin d'un homme sage, habile à manier la hache. Ensemble? Ensemble. Je vais chercher mes affaires. Il attendait que ça, c'est pour ça qu'il forçait pour qu'on lui parle tout le temps. Il attendait que ça, la petite proposition, on la connaît. Après, je pense qu'il sera strong. Hein. Franchement, je l'ai vu brûler, je l'ai vu se prendre des flèches, et il était toujours là en train de taper la porte. Il semble que le vent me ramène à Ranvi. Autant lui annoncer la nouvelle. Ranvi, concentre-toi! Hey, tu as mon allégeance, Ranvi. C'est plus rapide que tu n'en as pas l'air. Oh, une corne de plus et je me noie. On a perdu, dommage. Je suis la reine de l'hydromel, fléau des loups et des barriques. Je t'avais dit que je te ferais rouler sous la table. Alors, contente de toi? J'ai la tête qui résonne comme dans une cloche. Oh, plus que contente. Viens, l'air frais nous dégrisera sur le chemin du retour. Après un dernier petit arrêt. Oh, Ranvi. Il y a une tour en ruine à côté d'une cascade près de chez nous. Nous profiterons du paysage et ensuite je te rendrai ta liberté. C'est près du sommet d'une colline, juste au sud de la colonie.
Un lieu facile à repérer. Très bien. Un dernier arrêt, alors. Je ne sais pas si cela se voit, Eivor, mais je suis tout excitée. Oh, ça se voit. Part déjà ? Eh bien, j'espère te revoir un jour. Reviens quand tu voudras. Cela se pourrait, Magni. Et merci pour tout. Non, non, merci à toi. Bon retour. Ah ouais. Ok. Je vois. Le mec se fait normal carotte sa jument. Je ne sais pas si le cœur de ce pauvre Magni se remettra de ta visite. Que veux-tu ? Il n'est pas le premier et il ne sera pas le dernier. Dans ce cas, je te surnomme Ranvi, tueuse de brigands et bourreau des cœurs. Je le porterai avec fierté. C'est Suniva qui m'a décrit cette ville. Un lieu désolé mais paisible. J'ai hâte de la voir. Après une journée pleine d'action, tu aspires enfin au calme. J'ai eu mon content d'aventure. L'heure est au repos. Au repos. L'avantage par contre de cette époque là, c'est que du coup tu pouvais boire et conduire après. Je me demandais une chose. Entre Soma et toi, y avait-il plus que de l'amitié ? Tes yeux brillaient lorsque tu parlais d'elle. Nous sommes devenus proches, très vite. C'est ce que tu veux savoir ? Non, enfin, est-ce que quelque chose s'est passé entre vous ? Quelle est donc cette question, voyons ? Une question innocente. C'est bien, tu réponds bien pour l'instant, Eivor. Aussi innocente qu'un enfant. Il n'y a rien eu entre nous. Voilà ma réponse. Alors je trouve cela décevant. À ta place, j'aurais tenté ma chance. Eivor lié à une intrépide Jarl Skona menant son armée vers la victoire et la prospérité. Une union plutôt flamboyante. Ouais, on la connaît, cette technique, on la connaît. Je vais faire comme si tes dernières paroles se noyaient dans le vent. L'ami qui fait genre, il veut faire passer son ami en couple, on la connaît, c'est bon. On la connaît, c'est bon, oh là là. 27 ans maintenant, putain. Ne te bats pas, ouais. Attention à toi, quand même. Regarde, ce doit être la tour. Empruntons le pont. Ouais, moi j'étais team jump, mais c'est vrai que mon loup et ton cheval ne sont pas capables de faire ça, c'est normal. C'est RP. Bon, 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 allons nous reposer vite fait, hein. Elle est aussi belle que dans les récits de Suniva. Imagine à quoi elle ressemblait lorsqu'elle a été bâtie il y a plusieurs siècles. Parfois, lorsque je suis penchée sur une carte, j'imagine des armées de petits êtres traversant les terres. Et aujourd'hui, en regardant ces ruines, j'imagine la vie des gens d'autrefois, inconscients de ce qu'allait devenir leur monument. Tu as beaucoup d'imagination. Chip 5. J'aimerais connaître la vue d'en haut. On y va ? Après toi. Fais surtout pas le coup de « Oh non, mes vêtements sont mouillés ». Du coup, je vais devoir les sécher avant de repartir. Allez ! Regarde où tu mets les doigts. Ces pierres sont vieilles et usées. Donc, tu grimpes bien pour une plieuse de cartes. Tu te moques, mais j'ai dressé la charpente de maison longue et planté les clous des navires. Mes mains sont encore calleuses, d'ailleurs. Eh bien, regarde-moi ça. Chef 5, hein. Une vue éblouissante. Elle me rappelle ma jeunesse en Norvège, lorsque j'escaladais les hauteurs derrière les bois. Oh, il y a pile la place. La place de quoi de regarder la... De synchroniser un peu le décor, ouais. Mais ici, après t'avoir vu escalader une tour dans des fourrures trempées... Dans ma jeunesse, je ne tenais pas. Le gars, elle est en couple avec celui qu'on stipule notre frère. Avant de devenir cette femme impassible, j'aimais la nature sauvage. J'ai été mariée afin de sceller la paix entre deux clans. C'est une tâche noble et digne. Oh, ce qu'elle nous explique là, c'est qu'elle aime pas son mari. Tu aurais fait une excellente guerrière. Aïe aïe aïe. Une Jomsviking, libre d'aller et venir comme bon lui semble. Je le crois aussi.
Nous aurions peut-être navigué ensemble sur l'océan, à piller ou à voyager. Ou nous nous serions affrontés au combat. Sans ton mariage à Sigurd pour assurer la paix, nos clans seraient peut-être toujours en guerre. Oui, tu as raison. Merci pour cette journée. Chaque instant a été comme un rêve et je n'ai pas envie de me réveiller. Rien ne t'y oblige. Restons ici tant que tu le souhaites. Oui. Ah, c'est... Je n'ai aucun contrôle. C'était quoi, ça ? Oh, non, je... Pardonne-moi. J'ai laissé mes sentiments m'emporter. Je n'ai aucun contrôle sur ce qui vient de se passer là. J'ai aucune raison de t'excuser. Sigurd, c'est la cinématique. Frère, et je t'ai mis dans une situation délicate. Le cœur est moins doué pour la politique que la tête. C'était peut-être l'hydromel, ou peut-être l'air. En tout cas, tu n'as rien à te faire pardonner. Je ne suis pas enivrée à ce point. Et mes sentiments ne datent pas d'aujourd'hui. Je tiens à toi. Ouh là 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 là, on va devoir friendzoner ou... Oh putain ! Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Je demande un vote du chat. Allons-nous tenter l'expérience du jeu vidéo ? Aïe 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 aïe. En fait le problème c'est que si je suis en soi, je sais très bien la réponse qui va sortir. Tout à l'heure nous avions pas testé l'expérience de la lance de l'autre. Là, le problème, c'est que ça peut lancer une guerre en plus. Hein. Choisissez. Le chat est parti. Aïe, 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 aïe. Ah, le chat a l'air... Putain, vous avez jamais été aussi nombreux pour voter. Aussi vite. Je laisse le chat décider. Voilà, c'est une aventure qu'on fait ensemble. Bien entendu. Aïe, 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 malheureusement, c'est le oui qui a... On teste les Parole fonctionnalités. Me touche, Renvi. Je ressens depuis longtemps la même chose. Mais... J'aurais freiné cet espoir, croyant cet amour impossible. J'ai si souvent eu envie de t'en faire part. De te dire ce que ressentait mon cœur, ce que je désirais. Mais le devoir m'en a empêché. Tu peux parler maintenant. Cette journée a été si intense. Nous avons chevauché, combattu, bu et ri. Tu m'as montré ton monde. Pas avec des mots, mais avec des actes. Les actes en disent plus que les mots. Aïe 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 aïe, elle nous peigne les cheveux. Aïe 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 aïe. Les enfants, je sais pas quoi vous dire, hein, c'est... Il s'est rien passé, c'est juste, vu qu'il pleuvait, il y avait un orage. On s'est dit, tiens, on allait peut-être rester là. Ranvi. Et du coup, bon, l'orage est terminé, donc elle a dû partir plus tôt. Ouais. Ça donne de XP 6800, putain. Ça nous a revigoré, j'ai envie de dire. Ce petit orage, là.